écoutez, l'Hilchot Iruvé Trumim, Halakha Dalet, passage Yutret, page 114 dans l'Écoute à l'Hilchot. Zéphrinat Mishloach Manot Ishlereu. C'est ça le nyam de Mishloach Manot, qu'à Purim, chacun il envoie de la nourriture à son ami. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un, dans les mitzvot de Purim, il faut envoyer de la nourriture, quelqu'un, pourquoi pas des vêtements, pourquoi pas un vase, des fleurs, ou n'importe pourquoi la Torah elle a été couverte, qu'est-ce qu'on envoie Ishlereu, chacun à son ami. On envoie des manottes, c'est-à-dire on envoie un repas, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de quoi, que ce soit du manger consommable, pas du manger qu'il faut cuire. Il faut que le manger qu'il reçoive puisse le manger tout de suite. Il y a même qui envoie du manger qui est chaud, pour que la personne elle soit intéressée à le consommer de suite. Donc on voit qu'il y a là-dedans une kavana, c'est pas stam. Parce que pas tout le monde, la plupart des gens, ils n'ont pas besoin de recevoir un repas. Ils font leur repas de pourri, ils préparent, ils n'ont pas besoin qu'on leur envoie du manger. Ils seraient peut-être plus heureux si on leur envoyait des fleurs ou un CD de musique ou je sais pas, un livre ou quelque chose. Mais non, la mitzvah, c'est qu'il faut envoyer un repas à son chaver, à son ami. Qui kolechad yeshlo nishma venaaseh lefi madrigato. Parce que chacun, il a un nishma et un naasé selon son niveau. Qu'est-ce que c'est nishma? Qu'est-ce que c'est naasé? On l'a vu déjà, quand on a parlé. Naasé, c'est ce qu'on est capable d'appliquer. Et nishma, c'est ce qu'on n'est pas capable d'appliquer. C'est-à-dire, quand on a reçu la Torah, au Sinaï, on a dit naasé venishma. Naasé venishma, ça veut dire que maintenant, on va faire ce qu'on arrive à faire. Et après, on va faire même ce que pour l'instant on n'arrive pas à faire, on le fera après. C'est ça que ça veut dire Naaseh Venishma. Je le répète souvent, c'est que les gens ils traduisent mal ça, ils pensent que Naaseh Venishma, ça veut dire on va faire sans comprendre, et après Nishma on va comprendre. Pour l'instant on va agir sans comprendre, et après on va comprendre. Mais Naaseh Venishma, c'est pas ça ce que ça veut dire. Naaseh, ça veut dire que maintenant j'en ai compris assez pour le faire. Maintenant je vais le faire. Et Nishma, c'est des choses que pour l'instant je n'arrive pas à faire. Ce que je n'arrive pas à appliquer, ça s'appelle du nishma, c'est-à-dire ce sont des choses qui restent encore à comprendre, à développer pour pouvoir les appliquer. Et ce que je suis capable de faire, ça s'appelle naaseh, c'est-à-dire maintenant je l'ai compris, parce que quand quelqu'un il a compris quelque chose, il le fait, même s'il n'a pas compris avec son cerveau, mais il a compris que c'est bien pour lui, il le fait. Et il y a des choses que quelqu'un n'a pas encore réalisé que c'est bien pour lui, donc il n'arrive pas à les faire. Donc ce qu'il n'arrive pas à faire, ça s'appelle nishma. Ce qu'il arrive à faire, comme son nom l'indique, c'est naaseh, c'est ce qu'il fait. Donc maintenant, chacun a un niveau d'application, un niveau de choses à découvrir. Maintenant, au niveau de la communication, qu'est-ce que c'est de l'amitié entre des gens? C'est des gens qui vont s'aider chacun, ils vont s'entraider à développer chacun ce qu'il est arrivé à découvrir dans la Torah, à appliquer, etc. C'est ce qui s'appelle le mot chaver. Chaver, ça vient de mechaber, c'est-à-dire de chibou. C'est-à-dire c'est quelqu'un. Pourquoi j'ai un chaver? Parce que il est mechaber aussi à des niveaux auxquels moi je ne suis pas. Et moi aussi, je suis mechaber auto à des niveaux auxquels lui n'est pas. Chacun il a ses accès. Et donc il en fait profiter à l'autre. Ça c'est Naaseh Venishma, chacun il a son Naaseh Venishma, et on fait des échanges. Mais c'est au prinat Mishloach Manot, c'est ça qu'on envoie un repas, au moins deux plats, qui soit composé de deux plats, chacun à son chaver. Ki be'arat Nishma ve'Naaseh shu asagat ha-Torah, mizeh nimshach ha-achila de-kdusha. Parce que maintenant, de ce que quelqu'un y reçoit, du Nishma et du Naaseh de la Torah, c'est-à-dire que maintenant, chacun il a un niveau dans la Torah qu'il est arrivé à appliquer. Et son niveau d'application, c'est ça son niveau d'asaga de Torah. Et il a son niveau de nishma, les choses qu'il est en train de chercher pour l'instant en développement. Mais zenimcha achila de kdusha, c'est ça qui fait que quelqu'un il mange dans la kdusha. C'est-à-dire la nourriture, le niveau d'alimentation dans la kdusha de quelqu'un, il dépend de son niveau de Torah, c'est-à-dire d'application dans la Torah. Plus quelqu'un il va être élevé en application dans la Torah, plus il va avoir une nourriture qui est sainte, pas saine,
mais sainte. Aussi saine, mais sainte. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre ce qu'il y a à l'intérieur de la nourriture et pas de se nourrir de l'emballage de la nourriture qui est le côté extérieur, le côté matériel de la nourriture. Toute nourriture, elle transporte des éléments spirituels. Et tout ce qu'on consomme, ça transporte des éléments spirituels. Ces éléments spirituels, il faut arriver à les extraire de l'endroit où ils sont. Alors pour les extraire, ça va dépendre du niveau de Torah de chacun. Plus quelqu'un il aura un niveau de recherche dans la Torah, plus il va arriver à découvrir dans la matière des éléments spirituels, et surtout dans la nourriture, puisque la nourriture, c'est l'approche la plus grande qu'il y a avec la matière, puisqu'on la met dans son ventre mamache. C'est-à-dire on rentre de la matière dans notre corps. C'est l'approche la plus grande qui est dans la consommation. Il n'y a pas plus que ça en consommation, que la nourriture. C'est-à-dire prendre des choses qui sont mamaches, de matériel, et les rentrer dans son corps. Donc il faut après qu'il se passe de l'élévation de tout ça. Sinon la personne, elle va tomber, parce que c'est de la matière, c'est vraiment de la matière, c'est pas autre chose. שהוא השגת התורה מזין משך אכילת הקדושה שהוא בחינת סעודת שבת. לא קצת זה אכילת הקדושה כסעודת שבת. סעודת שבת זה אכילת הקדושה, פסקו סעודת שבת הוא מריב עתירי לנוריטור, סקייה דה ספיריטואל. לאכילת שבת, לשבת נומה אין פלס, פורפובואר תירי דה לנוריטור, לזלמנט כסעון. Qui sont spirituels, qui sont transportés par la matière. Shabbat, il n'y a pas de achila qui n'est pas de gdusha. L'achila de Shabbat, c'est une achila de gdusha, c'est un manger de gdusha. Pourquoi? Parce que du moment où Shabbat, il y a une révélation qui se fait des mondes supérieurs, donc cette révélation des mondes supérieurs, par le fait qu'on reçoit une neshama yetera, on reçoit une âme supplémentaire, et aussi on rentre dans des conditions qui sont des conditions de spéciales, puisqu'on est séparé de la matière. On nous demande de nous séparer de la matière pendant Shabbat au niveau des travaux, c'est-à-dire on ne va pas intervenir sur des changements dans la matière. Et ces repas qu'on va consommer le Shabbat, c'est des repas qui sont consommés dans un niveau de conscience qui est très élevé, puisqu'on nous donne encore un supplément d'âme. Ce supplément d'âme, il ne vient que pour pouvoir intervenir dans la nourriture. C'est pour ça qu'on reçoit un supplément d'âme. Maintenant, ces repas de Shabbat, c'est eux qui nous permettent de rentrer dans... qui nous donnent la permission de manger pendant la semaine. Si quelqu'un ne garde pas Shabbat, si quelqu'un ne fait pas les repas de Shabbat, quand il mange dans la semaine, plus il mange, plus il va tomber, il va descendre. Parce que maintenant, l'accès à la nourriture dans la semaine, elle ne se fait que par l'intermédiaire des repas de Shabbat. C'est-à-dire que quand quelqu'un garde Shabbat, il fait ses trois séoudotes de Shabbat. Les trois séoudotes de Shabbat, Rabbi nous dit, tu fais avec deux chalotes, il faut deux pains. Donc les trois repas de Shabbat, ils comptent six. Ça fait comme si tu avais fait six repas. Ces six repas, c'est considéré comme les six jours de la semaine. C'est-à-dire que maintenant, les maasé, tu as mangé pour les six jours de la semaine. Et quand tu manges dans la semaine, c'est que pour ajouter sur ce repas de Shabbat, c'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nourriture dans la semaine nouvelle. C'est que tu rajoutes sur un des repas de Shabbat. Parce que sinon, si on mangeait dans la semaine avec la diminution d'âme qu'on a, puisqu'on n'a on a pas cette âme qu'on a le Shabbat, on ne pourrait pas intervenir sur la nourriture et prendre ce qu'on a besoin. Et automatiquement, c'est la nourriture qui va intervenir sur nous et qui va nous faire descendre de plus en plus. C'est pour ça que les gens dans les nations, les gens qui veulent se lancer dans la spiritualité, ils sont obligés, comme on dit, de serrer la ceinture, parce que sinon ils ne peuvent pas monter. Tous les gens qui veulent rentrer dans du spirituel, il faut qu'ils fassent de l'ascétisme, parce que sinon ils ne peuvent pas avancer. Mais nous, on n'a pas besoin de faire de l'ascétisme. Pourquoi? Parce que nous, on a la clé de l'accès. On a la clé de l'accès, on ouvre la porte et on rentre. Maintenant, quelqu'un qui doit passer sous la porte, alors il faut qu'il mesure 2 mm de haut, sinon il ne peut pas passer sous la porte. Alors il faut qu'il serre la ceinture, et plus il va serrer la ceinture, etc., plus il va arriver à des visions de monde spirituel, même si c'est des fantasmes, mais c'est déjà des fantasmes plus raffinés que quelqu'un qui marche presque à quatre pattes. Alors maintenant, nous, quand on mange Shabbat, on a déjà mangé pour la semaine. Rabbi nous dit que normalement, Shabbat, si on devait faire le Shabbat comme il faut, on ne devrait pas manger Shabbat.
Parce que pour Shabbat, il n'y a pas besoin de manger. Il dit qu'on mange que pour la semaine, pas pour le Shabbat. Alors le Shabbat, c'est comme si on se gavait, et dans la semaine après, on va ruminer un petit peu tout ce qu'on a mangé pendant Shabbat. Ça va remonter. Dans chaque repas de la semaine, il va remonter un repas du Shabbat. Bon, ça dépend aussi de la connexion du Wélavé Malka, ce qui fait passer les énergies du Shabbat dans la semaine, mais le schéma, c'est ça. C'est-à-dire, comment on peut avoir, prétendre pouvoir manger dans la semaine? C'est très osé de manger dans la semaine, parce qu'on n'a pas des forces. Et il y a des tzadikim comme le Shla Kadosh, et lui, il préconise de ne pas manger de viande dans la semaine. Lui, il dit qu'il n'y a personne qui peut élever la viande pendant la semaine. Et quand quelqu'un il mange de la viande dans la semaine, c'est la viande qui le fait tomber. C'est-à-dire, c'est très rare les gens qui ont la force spirituelle d'élever la viande pendant la semaine. Le Shabbat, oui, mais la semaine serait très difficile. Le Shla, il dit comme ça. Mais bon, c'est pas tout le monde qui va d'après ce derrière-là. En tout cas, avec ce que le Rebbe dit, on peut manger de la viande tous les jours dans la semaine, il n'y a aucun problème. Parce que toute cette préparation, elle se fait dans le Shabbat. Si pendant Shabbat, on fait les repas comme il faut, en faisant les chants du Shabbat, comme Rabbi nous dit de chanter à table Shabbat, tout ça, ce sont des choses qui vont élever énormément la nourriture. Et après, une fois que cette nourriture, elle s'est élevée, on va rajouter que sur ça, la nourriture de la semaine. C'est pour ça qu'on a vu aussi avant que le troum de Shabbat, si tu vas grandir la limite de Shabbat, qui est normalement 2 km ou Alpaïmama, 1 km, si tu veux sortir Alpaïmama, plus que 2000 amot, c'est-à-dire à peu près 1 km le Shabbat, qu'est-ce que tu dois amener là-bas avant Shabbat? Tu dois amener un repas. Parce que c'est le repas qui te donne l'accès au chemin que tu vas prendre. C'est-à-dire là où tu as mis ton repas, à partir de là tu comptes 2000 amot, c'est-à-dire 2000 pas, 2000, fait à peu près 1 km. Après ton repas, Vilatan il a expliqué que c'est le repas qui va te donner la possibilité, ton champ d'action il va dépendre de là où tu as posé ton repas. Donc les mains, c'est que si tu veux spirituellement, là ton champ d'action spirituel il dépend où tu as mis la nourriture. C'est là où tu places la nourriture que là où tu vas pouvoir agir. Et une fois le repas, ils lui ont servi à manger. Alors lui il étudiait et il mangeait. Alors après, il a fini d'étudier, alors il lui a emmené encore à manger. Alors lui, il continue à étudier encore. Alors il a fini d'étudier et il lui a emmené encore à manger. Alors il dit, ils sont en train de discuter avec moi, ils ne sont pas d'accord avec moi. Parce que moi, je suis en train de dire que je mange pour pouvoir étudier. Alors je mange et j'étudie, mais ils me prennent pour un très grand sadique et ils disent que non. Moi, je mange, c'est pas que je mange pour pouvoir étudier, j'étudie pour pouvoir manger. C'est-à-dire, pourquoi j'étudie? Pour pouvoir manger. C'est-à-dire, c'est grâce à l'étude que je veux pouvoir manger. Alors, Rabbeinu, il met en place, il dit, pourquoi maintenant, les gens, ils disent toujours, il faut manger pour avoir des forces pour faire Avodat Hashem. Mais Rabbeinu, il dit non, il faut faire Avodat Hashem pour pouvoir manger. C'est-à-dire, quand tu vas te mettre à table, tu peux pas te mettre à table comme ça comme on dit, brut de consommation, c'est-à-dire tu arrives de l'extérieur, du travail, de n'importe quoi, à table, on s'assoit, on va manger. Et on ne peut pas faire ça. Parce que ça, si on mange comme ça, le manger nous fait tomber par terre, il nous met complètement à plat. On est obligé de se préparer à manger. On ne peut pas manger comme ça. C'est-à-dire, même si ce n'est pas besoin d'être une préparation d'une demi-heure, c'est une préparation d'une minute. Ça peut être mettre une pièce à la tzedaka, commencer à étudier même un pasouk de Chumash, lire un pasouk, n'importe quoi qui va mettre une base sur laquelle après je peux poser la nourriture pour qu'elle puisse être triée, être prise en main et comment. Mais sinon, sur quoi je vais mettre cette nourriture? Cette nourriture, elle rentre, elle me dévore complètement, c'est-à-dire elle me fait tomber complètement. Alors bien, il dit, beaucoup de gens, ils sont tombés avec la nourriture. Beaucoup de gens, la nourriture, elle les fait tomber. La plupart des gens, Rabbeinu dit, quand ils mangent, ils ont sommeil après, ils sont alourdis. Alors que normalement, ça, tu ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Normalement, quand tu manges, tu dois avoir des forces, tu dois avoir plus d'énergie. Pourquoi quand tu manges, tu es alourdi? Parce que tu as pris dans la nourriture que l'emballage. Tu n'as pas pris ce qu'il fallait prendre avec l'emballage. Il y a des choses à l'intérieur qui vont t'enrichir. Alors, il dit, Mizen Nimshach Achilat Gdusha, Shu Prinat Soudat Shabbat. Prinat Ichlu Ma'adanim, Shetu Mamtakim, Kechetvat Hashem Imaouzechem.
Donc ça c'est l'haftara qu'on dit à Rosh Hashanah aussi, manger des bonnes choses et buvez des douceurs, parce que la joie d'Hachem, c'est ça votre force. Zeprinat vetoratra betoch me'ay, c'est ce qui est écrit dans Tehilim, ta Torah elle est dans mes entrailles. Prinat lechu lachmu belachmi ushtu, comme il y a écrit, allez votre pain dans prenez votre pain dans le mien et buvez. Qui achila et prinat Torah, parce que la achila c'est de la Torah, c'est-à-dire ce que quelqu'un y mange c'est de la Torah. Comme tu apprends la Torah avec ton cerveau, tu étudies des choses avec ton cerveau et ton cœur, tu apprends. Quand tu manges, tu apprends des choses. Tu apprends des choses, mais par la nourriture. Mais tu apprends aussi des choses. La Gemara, elle dit, avant de prier pour que des choses rentrent pas dans ton cerveau, des choses interdites, alors prie d'abord pour que des choses interdites ne rentrent pas dans ton ventre. Parce que c'est écrit Toratra betoch me'ay, ta Torah elle est dans mes entrailles. C'est-à-dire je vis la Torah à l'intérieur de moi-même. Parce que ce que je mange, c'est de la Torah. C'est pas de la matière. Il y a de la matière, mais cette matière, elle est porteuse de Torah. Comme les idées qu'on fait circuler, elles sont porteuses de messages divins. Et il y a d'autres gens qui utilisent les idées pour faire du commerce ou pour faire d'autres choses. Nous, on utilise la parole et les idées pour faire passer la parole divine, la pensée d'Hachem. Alors la nourriture, c'est pareil. Dans la nourriture, il y a une présence divine. Maintenant, si tu te prépares, tu peux consommer cette présence divine, c'est-à-dire ça peut rentrer et t'enrichir. Et sinon, c'est le contraire. Car il y a des Torah qui m'écablent, prinat naase v'nishba, adzei echolin echol b'kdusha. Parce que quand quelqu'un il a reçu la Torah qui s'appelle Naaseh Benishma, c'est-à-dire qu'il a un niveau de Torah en application et il a un niveau de recherche par rapport à ses applications, c'est-à-dire qu'il est toujours en train d'essayer d'évoluer au niveau d'application, grâce à ça, il peut manger dans la sainteté. Ki achila mechaber et anshama ve'aguf. Parce que maintenant, comme on l'a dit plusieurs fois, la achila, elle unit la neshama avec le corps. Une neshama toute seule, elle n'a pas besoin de manger. Un corps tout seul, quand il est dans sa tombe, il n'a pas besoin de manger non plus. Quand est-ce qu'il y a besoin de manger? C'est quand la neshama et le corps ils sont ensemble. Ça veut dire que maintenant, la nourriture, c'est ce qui maintient la neshama dans le corps. C'est-à-dire ce qui maintient en contact la neshama et le corps. Si quelqu'un ne mange pas, il ne mange pas, il ne mange pas, à un moment, sa neshama, son corps, ils vont se séparer. Donc, qu'est-ce qui fait que sa neshama reste dans son corps? C'est la nourriture. Dans la qualité du contact entre l'âme et le corps, elle va dépendre de la qualité de la nourriture. Maintenant, on ne parle pas de la qualité au point de vue culinaire, on parle de la qualité au point de vue aussi de la fraîcheur de la nourriture, et c'est important. Puisque maintenant, de manger quelque chose qui est malsain, c'est encore plus grave que de manger quelque chose d'interdit. Parce que ça peut rendre malade quelqu'un et ça peut amener des choses graves. Maintenant, le niveau de connexion, la qualité du contact entre l'âme et le corps va dépendre de la qualité de la nourriture. Plus la nourriture elle est prise de façon élevée, et plus la neshama elle va pouvoir dialoguer avec le corps. C'est-à-dire qu'elle va avoir une possibilité de contact. Maintenant, plus le corps il a pris de la nourriture qui était que le côté emballage de la nourriture, c'est-à-dire le côté matériel, et là la neshama elle n'a pas du tout d'accès, c'est-à-dire le contact il est minimal juste pour garantir la vie, les battements du cœur et le fait que le corps il va continuer à fonctionner, mais c'est pas un niveau de neshama, c'est un niveau de nefesh BMI, c'est-à-dire c'est le niveau le plus bas qu'il y a. C'est comme ils ont les animaux aussi, qu'ils ont un cœur qui fonctionne, etc. Alors l'homme aussi peut être à ce niveau-là s'il consomme comme un animal. Maintenant, s'il a de la Torah, c'est-à-dire qu'il a la Torah qu'il applique et de la Torah qu'il recherche aussi, c'est-à-dire qu'il cherche tout le temps à avancer, alors il y a un contact qui est fait entre la neshama et le corps qui est plus intéressant. Donc maintenant, quand quelqu'un il a un Naaseh v'Nishma, il a Azud d'Gdusha, il a de l'audace dans la Gdusha. Parce que quelle est l'audace de la Gdusha? C'est de dire au corps, tu vas me servir, tu vas me servir, ensemble on va se rapprocher d'Hachem. Que la Neshama elle peut parler au corps et lui dire, allez viens, viens, on va aller vers Hachem. Viens, on va se rapprocher d'Hachem, viens, on va étudier, viens, on va prier, viens, on va parler d'Hachem, viens, on va faire des doutes, viens, on va danser pour Hachem, viens, on va chanter, viens, on va faire des choses pour Hachem. Cette audace-là,
elle vient de Naase Benishma, c'est-à-dire combien quelqu'un il applique et combien il cherche. Ça va donner de l'audace. Que maintenant, la Neshama, elle peut oser parler avec le corps. Sinon, la Neshama, elle se met de côté, elle ne parle jamais, elle ne s'exprime pas. Elle donne au corps le minimum pour pouvoir vivre, pour pas que la personne, elle meure. Et c'est, oh, y a pas de, ça ne dépasse pas ce niveau-là. C'est un niveau de communication qui est au plus bas. Si on veut avoir autre chose que la Neshama, elle se manifeste. Alors cette Neshama, il faut la nourrir. Comment on va la nourrir? On va la nourrir avec les Neshamot qu'il y a dans la nourriture, c'est-à-dire avec la spiritualité qu'il y a dans la nourriture. Et si on arrive à extraire cette spiritualité, elle enrichit notre Neshama. Notre Neshama, elle peut parler au corps, elle peut lui dire, écoute, on a des choses à faire ensemble et tout, ce serait bien que on s'entende et que tu ne prennes pas trop de place pour qu'on puisse avancer. Que la vie elle soit intéressante. Si le corps il prend trop de place, alors après et on ne peut pas avancer. À ce moment-là, on peut commencer à parler de nourriture de Kdusha. Alors là, on peut arriver à un niveau où le corps et l'âme vont rentrer en contact grâce à la nourriture. C'est-à-dire, quand on va manger, ça va être un des niveaux les plus élevés de notre Avodat Hashem. On dit que des tzadikim, quand ils mangent, c'est plus élevé que quand quelqu'un y prie ou l'étudie. C'est parce qu'eux, ils arrivent à faire un kécher entre la neshama et le corps grâce à la nourriture. Alors, c'est quoi ta vatachel alors, si c'est bien de manger comme ça? Ça veut dire que c'est quoi ta vatachel? Là, pour l'instant, on dit que plus on mange, plus. C'est bien. Ça. J'ai pas dit plus on mange. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit plus on mange. Plus on mange. J'ai pas parlé de quantité. J'ai pas dit plus on mange. C'est-à-dire qu'il faut manger dans la Kdusha. Ce que tu manges, il faut manger dans la Kdusha. Il faut manger le Kdusha. Et pour manger dans la Kdusha, il faut une maîtrise déjà du corps. Il faut que tu puisses arrêter ton corps. Que tu puisses le maîtriser. Sinon tu ne peux pas manger dans la Kdusha. Et ça, c'est la Torah qui te donne cette force-là, de faire attendre le corps. Rabbi nous dit qu'il faut manger doucement. Manger le Kdusha, déjà, ça veut dire manger doucement. Il ne faut pas manger vite. Alors, c'est-à-dire que si on mange avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire avec tout, tout va bien. Pourtant, Esther, elle a dit qu'il faut 3 jours de jeûne. Alors, elle a dû faire un boucher à ce moment-là. Oui, mais ça dépend de ce qu'on veut produire. Il y a des choses qu'il y a besoin de... Il y a besoin de ne pas manger, ça dépend des choses. Mais quand on a besoin de ne pas manger, c'est un niveau plus bas que quand on a besoin de... quand on fait avec le manger. C'est-à-dire, Yom Kippour, on ne mange pas. Mais si tu ne manges pas la veille de Yom Kippour, il y a certains décisionnaires qui disent que tu n'es pas yotze du ta'anit de Kippour. Tu peux être yotze du ta'anit de Kippour que si tu as mangé la veille de Kippour. Si quelqu'un veut jeûner 2 jours, la veille de Kippour et Kippour, c'est comme s'il n'a pas jeûné du tout. Parce que le jeûne de Kippour, il doit être une conséquence de la nourriture que tu as prise avant Yom Kippour. Elle est plus importante que le jeûne lui-même. Parce que le jeûne, tout ce qui est restriction, ça, c'est un niveau toujours plus bas. Parce que moins tu utilises ce monde, ça, plus tu prouves que ce monde-là, il est pas intéressant. Et Hachem, il a pas fait ce monde pour que tu lui dises qu'il n'est pas intéressant. Ce monde-là, il est intéressant dans chacun de ses détails, mais seulement il faut savoir les utiliser, c'est tout. Mais ce monde-là, il est très intéressant dans tout. Dans la nourriture, dans le mariage, dans les enfants, dans l'argent, dans tout. C'est un monde très très intéressant où on peut gagner beaucoup de choses. Seulement, il faut savoir comment faire. Alors, il y a des gens, ils ont peur, ils rentrent dans la restriction. Mais la restriction, c'est pas une preuve de force. La restriction, c'est une preuve de faiblesse. C'est pas une preuve. Quelqu'un qui est, tu vois, les Kohanim au Beth Amikdash, c'était pas des gens qui étaient dans la restriction. C'est des gens, ils mangeaient sans arrêt. Et avec ça, ils étaient mechaper les avonot. C'est là où toutes les nations, elles étaient pas, elles comprenaient pas. Elles disaient, mais si on veut faire pardonner des fautes, alors il faut jeûner, il faut rester sans manger pendant plusieurs jours, etc. Ils disent, non, c'est pas chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on est capable d'élever la matière. Nous, ce monde-là, on ne dit pas que si quelqu'un veut être spirituel, il n'a rien à faire ici. Alors ça veut dire quoi? Que ce monde-là, si on veut être spirituel, il faut se suicider. C'est comme ça qu'on va arriver le plus vite. À quoi ça sert? Ce monde, il ne sert à rien. C'est le contraire de ce que Hachem veut. Hachem, il a créé ce monde pour qu'on l'utilise dans tous les détails.
tout ce qu'il y a. C'est écrit que quelqu'un qui passe devant un étalage de fruits, il voit un fruit qui l'appelle, il sent qu'il a envie de manger ce fruit, et il l'achète pas. Alors il va donner dîner Cheshbon, on va lui dire, tu te rappelles tel jour tu as été là-bas, tu avais envie d'acheter ce fruit, pourquoi tu ne l'as pas acheté? Là-bas dans ce fruit il y avait une Torah pour toi, il y avait quelque chose pour toi, tu l'aurais prise, après tu aurais pu arranger tel problème, pourquoi tu as refusé de le manger? Hachem il nous a donné, pourquoi Hachem il s'est cassé la tête à faire tout ça? Pourquoi il a fait des bananes et des pêches et des framboises et des trucs? Pourquoi tout ça? C'est pas pour que ça soit joli, aussi pour ça. Parce qu'Hachem aussi, il fait que ça soit joli. Mais c'est pour que la personne, elle prenne tout ce qu'elle a besoin dans le monde, pour s'élever d'Avka. Les gens, ils croient que le manger, l'argent, le mariage, tout ça, c'est des choses qui font tomber les gens. Et ce n'est pas vrai. C'est des choses qui permettent de s'élever à très grand niveau. Et celui qui ne veut pas faire ça, alors au contraire, il tombe. Mais Zeprinat Soudat Shabbat, Zeprinat Soudat Purim. Alors ça, c'est le lien de la Soudat Shabbat et aussi de la Seouda de Purim. Prinat Simcha ou Mishte Veyom Tov, comme il y a écrit, de la joie d'un repas et un Yom Tov. Ki az zochen simcha prinat ki chedvat Hashem imaozechem. Parce que le jour de Purim, on est zochen de la simcha. Veaz achila b'kdusha prinat ichlu mashmanim ushtu mamtakim ki chedvat Hashem imaozechem. Donc à ce moment-là, on peut manger b'kdusha parce qu'on est arrivé à la simcha qui est le résultat du fait qu'on a été mekabel la Torah Purim, mais qu'on a reçu la Torah be'ahava. Nimsa shebetoch achila d'kdusha sur prinat soudat Purim. Donc dans la nourriture qui est sainte, qui est le repas de Purim, meir ba prinat aharat haTorah, prinat naase v'nishma. Alors là-bas éclaire la lumière de la Torah qui est naase v'nishma. Prinatra toratra betoch me'ay, prinat toratra betoch me'ay. Comme c'est écrit, ta Torah elle est dans mes entrailles. Zeprinat umishloach manot ish le'reu. Est-ce qui est écrit que on envoie des repas chacun à son ami, parce que chacun il a un naase et un nishma selon son niveau. Alors quand on envoie un repas à son chaver à Purim, les maasé, qu'est-ce qu'on lui envoie? On lui envoie sa Torah, la Torah qu'on a nous-mêmes, que chacun il a, il envoie à son chaver, il lui dit voilà, goûte de ma Torah. Et lui aussi lui envoie, lui dit, moi aussi goûte de ma Torah. C'est ça le Mishloach Manot. Qui kol echad tzarich la'ir bechavero me'arato ve'asagato. Parce que chacun il a l'obligation d'éclairer dans son chaver la lumière qu'il reçoit et la compréhension qu'il reçoit d'Hachem. Ve'zihu ichlu ma'adanim shtu mamtakim ve'shilchu manot le'ein nachon lo. Maintenant c'est ça qui est écrit, manger des bonnes choses et buvez des douceurs. Et envoyer des parts de nourriture à celui qui n'est pas méritant normalement. Ki chedvat Hashem hi ma'uzechem, parce que la joie d'Hashem c'est ça votre audace. Ki chezochim le prinat chedvat Hashem, quand quelqu'un il a le sroud d'arriver à la joie dans Hashem, anu prinat naase venishma, c'est-à-dire qu'il a le naase et le nishma, c'est-à-dire qu'il a le côté application, le côté ce qu'il va faire dans la Torah et qui cherche aussi à avancer. Zemeir betoch achila, ça éclaire dans la nourriture. Zeprinat Purim, ça c'est l'union de Purim. Astrichim lishloach manot la'ir kol echad bechaveru. Donc chacun il doit envoyer des repas à son chaver pour lui faire passer de sa lumière de Torah. Zeprinat matanot la'evyonim, c'est ça qu'on donne aussi des cadeaux aux pauvres. Ki shefa ashiru d'kdusha, zeprinat azud d'kdusha. Parce que quelqu'un qui reçoit, qui a de l'argent dans la kdusha, ça lui donne de l'audace dans la kdusha. Prinat ashir ya'ane azut. Comme c'est écrit, le riche dans Michelet, il répond avec de l'audace. Que le riche, il est sûr de lui, il a de l'audace. Prinat akesef ya'ane takol. Comme c'est écrit, l'argent, c'est la solution à tout. Ya'ane zeprinat kolot yuprinat azut. Maintenant, qu'est-ce que c'est ya'ane? C'est des kolot, c'est des voix, c'est de l'audace. C'est-à-dire, le riche, il ose, il parle. Quand il rentre quelque part, il parle, il s'exprime, etc. Parce que son argent, ça lui donne de l'assurance. Et ça veut dire ani. Maintenant, il faut qu'il ait pitié du pauvre. Zeprinat mashkatu b'ma'amaranal shetzrichin lerachem al basar aguf. Maintenant, qui c'est le ani? C'est la viande du corps. C'est ça le pauvre. Le pauvre, c'est ce pauvre corps-là qu'on se traîne depuis des années.
et que le pauvre il est là, et on lui donne, on lui jette même pas un petit steak, quelque chose. Il sert que à travailler. On l'a rendu esclave des tahavotes, esclave de tout ce qu'on a pu trouver à grignoter dans ce monde à tous les niveaux. On l'a rendu le corps esclave de ça. Alors il s'appelle un ani. Ce pauvre-là, c'est un malheureux, ce corps, il est malheureux. Il a besoin que la Neshama lui donne un petit peu de lumière. Il dit, attends, tu ne me donnes rien du tout, donne-moi un petit peu de lumière, un petit peu quelque chose. Tu as étudié de la Torah, tu as fait quelque chose, ramène-moi quelque chose, donne-moi un petit morceau de quelque chose à consommer. Le corps, il veut prendre de l'énergie spirituelle. Le corps, il ne veut pas rester un corps. Comme la Gemara dit que Ishto que Gufo, sa femme, une femme, c'est son corps. Une femme, elle est comme son corps. Mais une femme, elle veut que tu lui donnes un peu de Torah. C'est-à-dire que quelqu'un, il vient, il croit parce qu'il a amené le marché à sa femme. Et ça y est, elle doit le remercier toute la journée. Parce qu'il a été faire le marché, il lui a donné les sous qu'elle a besoin pour faire les commissions. Mais à part ça, elle a besoin de lumière de Torah. C'est pas un morceau de viande, t'as besoin de lumière de Torah. C'est vrai que tu as fait les commissions, tu payes le loyer, l'électricité, le téléphone, tout ça, ok. Mais tout ça, ça reste que de l'entretien du corps. On n'est pas passé encore à quelque chose de plus intéressant. Alors maintenant, ce corps-là, il s'appelle Annie. La femme, elle est pauvre. Elle est pauvre spirituellement, parce qu'elle ne peut pas avoir accès elle-même à la Torah. Elle dépend de son mari. Hachem, il l'a faite comme ça, qu'elle dépend de son mari. Donc lui, il faut qu'il sache qu'il y a des gens qui dépendent de lui. Et ces gens qui dépendent de lui, il faut s'occuper d'eux. Parce qu'ils ne s'occupent pas d'eux, c'est des pauvres qui peuvent faire des dégâts. Parce que le corps et l'âme, c'est le principe du riche et du pauvre. Et tout celui qui a pitié des autres, alors on a pitié de lui. C'est comme c'est écrit dans la Gemara, dans Shabbat. De la même manière que quelqu'un a miséricorde sur un pauvre et il lui donne de l'abondance, de la parnassa, Shuprinat Azud de Gdusha. Que ça, c'est l'audace de Gdusha. Parce qu'un pauvre, il est complètement affaissé. Il n'a plus la force de croire en quoi que ce soit parce qu'il se sent affaibli. Alors quand tu lui donnes un peu d'argent, ça lui donne confiance en lui. Il a envie de faire des choses. Donc tu lui donnes de l'audace. Chez Mishan, Mishach, Parnassa. Que de là-bas, ça vient la Parnassa, elle vient de l'audace. Gvurot, Geshamim. Comme c'est écrit, Gvurot, Geshamim. La pluie, ça vient des Gvurot. La pluie qui va faire pousser toute la nourriture dans le monde, la parnassa, ça vient des gvurot, ça vient de la rigueur, ça vient de la force d'Hachem, des gvurot d'Hachem. Ça vient pas des chassadim, c'est de l'audace, la pluie. Alors quand quelqu'un il a pitié d'un pauvre et il lui remonte le moral, comme on dit que celui, la Gemara dit que celui qui donne à un pauvre, alors il reçoit 6 brachot. Et celui qui le réconforte, il reçoit 12 brachot de plus. C'est-à-dire, si quelqu'un il donne de l'argent à un pauvre et aussi il le réconforte, il reçoit 18 brachot. Si quelqu'un il donne que de l'argent à un pauvre, il reçoit 6 brachot. Pourquoi? Parce que le icar de l'argent que tu lui donnes, c'est pas pour lui donner de l'argent. Le icar de l'argent que tu lui donnes, c'est pour le remonter. C'est pour ça que tu lui donnes de l'argent. C'est pour ça que c'est écrit Mefaïso. Tu viens, tu le réconfortes, tu dis alors comment ça va et tout. Pas facile, hein, ces situations-là et tout. Et Bezat Hashem, ça va s'arranger, la roue tourne et chacun il a des moments difficiles, mais après ça reprend. T'essayes, tu vois, de le remonter, de lui redonner un peu confiance en lui. C'est ça le but de la tzedaka. Pourquoi Hashem il a fait qu'il y a des gens qui ont besoin d'autres? C'est pour que tu puisses le remonter. Alors maintenant, quand toi tu le remontes à lui, alors Hashem il fait que, il donne que ta neshama, elle peut remonter ton corps aussi. C'est-à-dire qu'elle peut tirer ce corps. Il y a des gens, leur corps, il est 1000 fois plus lourd que leur neshama. La neshama, elle n'arrive pas à le bouger. Il peut mettre son réveil pendant 3 heures. Il ne peut pas lever son corps. La neshama, elle peut le tirer rien. Il ne peut pas bouger. Il a un corps très très lourd. Maintenant, comment il va faire pour sortir ce corps-là du lit? Il n'arrive pas. Il n'a pas la neshama qu'il a. Elle ne peut pas s'exprimer. Il a asphyxié complètement. Il a muselé. Il a mis dans un... Il a complètement entouré, il l'a mis dans un cercueil, il a mis la neshama. Elle n'a pas de force, elle ne peut pas s'exprimer. Alors son corps, il est là, et maintenant il veut l'emmener. Il dit, viens, on va se lever à la tefila, on va faire chatzot, ou viens, on va l'étudier et tout. Et il ne peut pas le bouger, le corps. Alors maintenant, il donne une etzar à Binatan. Il dit, maintenant, ce pauvre-là, que lui est tombé, c'est-à-dire de son audace, qu'il a perdu sa dignité, etc.,
Toi, tu vas lui redonner sa dignité, tu vas lui donner de l'audace. Alors avec ça, on va avoir aussi pitié de toi, que toi aussi tu vas pouvoir redonner de l'audace à ta neshama pour sortir ton corps de là où il se trouve. C'est-à-dire le date, on va te donner un date que tu peux avoir pitié de ton corps. Comme c'est écrit dans Ishaïa, ne te cache pas, ne ferme pas tes yeux de ta chair. C'est-à-dire ta chair ne fait pas comme si tu ne la vois pas. Et il faut t'occuper de ton corps, il faut l'élever. Shezu mamash prina tzedaka le'ani. Que ça, c'est mamash la tzedaka pour un pauvre. Chaque fois que tu t'occupes de ton corps pour le faire avancer, c'est comme si quelqu'un il s'occupe d'un pauvre pour lui donner à manger. C'est la même chose. Parce que le corps, si tu le laisses tout seul, il devient un animal. Si tu le laisses comme ça, il n'y a pas une plus grande pitié qu'un corps qui est livré à lui-même. Alors il faut que tout le temps tu le renforces, tu lui dis, mais non, toi tu as une dignité, toi tu es quelqu'un, tu as de la classe, etc., tu es quelqu'un de bien, tu vas manger proprement, tu vas manger avec des herrerets, tu vas manger comme il faut, etc., tu vas manger doucement, tu vas lui parler à ton corps, tu vas l'éduquer, tu vas le faire avancer un petit peu. Valken, beporim, shezochim, lissimchat olam, prinat chedvat Hashem, mauzechem. Maintenant, à Purim, qu'on est zoché de Simchat Olam, c'est zoché de la plus grande Simcha qui est, puisque c'est Mechiat Amalek, c'est là où on sort de tous les kohotes qui nous empêchent d'avancer dans la Torah. Donc ça, c'est Prinat et Chedvat Hashem Imaozechem, c'est la joie d'Hashem qui vous donne de l'audace. Tsarich Lahir Arazu El Agouf. Il faut donner de cette lumière-là à son corps. Shegam Agouf Yeda Amizé. Que le corps aussi, il soit au courant qu'il y a quelque chose comme ça. Et c'est Prinat Matanot Laivionim. C'est ça qu'on fait des matanot aux Evionim. Pourquoi on leur donne aux pauvres? C'est pas pour eux qu'on donne, c'est pour nous qu'on donne. C'est qu'on dit à Hachem, regarde, maintenant ces pauvres-là, je vais leur donner. Mais pitié de moi aussi. Et pitié que mon corps aussi, j'arrive à lui transmettre un petit peu quelque chose. J'arrive à communiquer avec lui. Chez Meirin, Prinat Shefa Mamon, Chez Prinat Azut de Gdusha. Donc on donne le Shefa du Mamon, qui s'appelle le Shefa de l'argent, qui s'appelle l'audace de Gdusha, et la Hani aux pauvres. Parce que maintenant toute l'abondance, toute la richesse dans la Kedusha, elle vient de la compréhension de la Torah. Que de là-bas viennent toutes les hashpaot du monde, elles viennent, tout le Shefa, toute l'abondance du monde, elle vient de la Torah. Alors maintenant il donne de cette abondance-là aux pauvres. Alors de la même manière qu'il va y avoir une lumière de la Torah qui vient de l'audace dans la sainteté et qui va arriver depuis l'âme vers le corps. Shaneshama terachem ala gouf. Que la neshama est pitié du corps. Et galot lo mikol ha'arot ve'asagot she'im ha'seget. Que la neshama elle puisse l'éclairer de toutes les compréhensions qu'elle arrive à avoir. She'agouf gam ken yeda me'em. Que le corps aussi il soit concerné, lui aussi reçoive de ça. Comme on va ma ma'anal. Comme c'est écrit dans le Mahamar en question. Donc maintenant, le but, ce n'est pas de faire que la neshama elle prenne de la lumière et qu'elle laisse le corps dans l'état où il est. Le test de la neshama, c'est combien elle va pouvoir tirer son corps de là où il est arrivé. C'est-à-dire quelqu'un maintenant qui alimente sa neshama, il étudie, il prie, etc. Et son âme, elle est très avancée. Maintenant, s'il n'est pas arrivé à tirer son corps, c'est pas avec ça qu'il va prouver quoi que ce soit. Si quelqu'un il apprend à nager, il est maître nageur, il est secouriste et tout, mais le jour où il y a quelqu'un qui se noie, il ne peut pas le faire sortir, alors on lui dit, vous avez un petit problème, c'est pas normal. Si vous faites quelque chose comme ça, il faut arriver à l'appliquer. Maintenant, quelqu'un qui dit qu'il nourrit sa neshama, on lui dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi j'étudie la Torah. Alors il dit, c'est bien, les Mishnah, c'est Otiot Neshama. Tu étudies de la Mishnah, c'est les lettres de la neshama. C'est-à-dire, tu es en train de nourrir ta neshama. Et ton corps, comment il va? Ah, celui-là, il m'embête. Si je pouvais m'en passer, je m'en serais passé. Alors maintenant, ça c'est un problème. Parce qu'Hachem, ce n'est pas ça qu'il veut. Hachem, il veut que la neshama, elle communique tout le temps avec le corps. Que tout ce qui a été étudié, ça se transmette au corps. Au niveau où ça se transmette, on ne parle pas maintenant que de parler un langage de neshama, mais que la neshama, elle sache transmettre au corps. C'est-à-dire que le côté masculin de la neshama, il puisse transmettre au côté féminin qui est le corps. Lui apprendre un petit peu, lui donner envie de s'élever un petit peu. Jusqu'à que son corps, il puisse être éduqué. On dit le gang de Vilna,
Si Shabbat, il touchait, sans se rendre compte, il touchait quelque chose de Mouktsé avec son coude ou quelque chose, sans voir, sans se rendre compte, il touchait comme ça, sans voir ce qu'il faisait, alors tout de suite, il s'évanouissait. Parce que son corps, il ne pouvait pas supporter de toucher quelque chose qui n'était pas en accord avec Shabbat. Sans avoir conscience du tout, avec son esprit, de ce qu'il était en train de faire. Mais le corps lui-même, il était tellement éduqué que c'était impossible de faire autrement. Et on a vu ici, à la Shalom Rav Yitzhak, que maintenant ça fait 23 ans qu'il est niftar. Alors, quelques heures avant qu'il soit niftar, alors les gens, ils voyaient ses pieds à Khatzot, quand venait le moment de Khatzot, ses jambes, elles sortaient du lit. Il n'était plus conscient. Mais son corps, il se tournait et ses jambes, elles sortaient du lit. Alors les gens, ils le remettaient dans le lit parce qu'il était déjà inconscient. Ils remettaient dans le lit, ils le couvraient, les jambes, elles ressortaient, elles se remettaient. Tant que c'était le temps de Khatzot, les jambes, elles essayaient de sortir du lit. Bien que le cerveau ne communiquait plus avec le corps. Pourquoi ? Parce que c'est un soldat, c'est un corps qui a été éduqué une vie entière à se lever à Khatzot. Donc il ne sait pas faire autrement que ça. Comme il y a des gens avant de mourir, ils palpent de l'argent, ils font comme ça avec leurs mains, parce que toute leur vie ils ont palpé. Alors maintenant, même quand ils sont plus conscients, le corps il continue à faire ça. Mais mettre des massimes comme ça, qu'on a vu des gens avant de mourir, le corps il reste avec il a gardé les bonnes habitudes, c'est-à-dire ce que la personne elle sait faire le mieux, c'est-à-dire ce qu'elle apprécie le mieux, c'est ça que le corps il fait. Alors maintenant le corps il faut l'élever un petit peu, il faut avoir pitié de lui, il faut pas sortir de c'est le clal de toute la Torah elle est faite avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la Torah il ne faut pas avoir peur de la matière, dans la matière il faut rentrer dans la matière. Moshe la Raphaël. Moshe Rabbeinu, il rentre dans le brouillard, dans le nuage. C'est pas qu'il regarde le nuage comme ça, il rentre dedans. Parce qu'il n'a pas peur du nuage, Moshe Rabbeinu. Lui, il rentre dans le nuage et il chasse le nuage, il rentre dedans. Maintenant, nous, on doit rentrer dans la matière. On est obligé de rentrer dans la matière. Vous voyez, dans toutes les religions, vous prenez n'importe quelle religion, c'est des restrictions. Voilà, ils ont trouvé maintenant quelqu'un en Russie, là-bas, je ne sais pas où. Ils étaient 60 personnes. Ça fait 10 ans qu'ils les tenaient dans des caves souterraines. C'est des musulmans. C'était une secte musulmane. Ils n'avaient pas le droit de sortir, les gens. 10 ans. Ils sont restés dans des caves souterraines. Et les enfants, ils n'allaient pas à l'école. Pachoud, quand ils les ont trouvés, ils les emmenaient tous à l'hôpital. Tous les gens qui avaient là-bas, ils étaient complètement... C'est ça de la religion. Non, mais c'est sûr que ça ne donne pas envie de faire la religion. Quand on voit des choses comme ça, qui ça va intéresser ? Ça veut dire que maintenant, toutes les religions, c'est quoi ? Celui qui a choisi la religion, c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas vivre. C'est ça la définition dans les religions. Les religions, ça veut dire qu'il a choisi de ne pas vivre. Voilà, c'est quelqu'un, un grand esprit comme ça, une grande âme. Il a dit, je me sépare de la matière et c'est tout, je vais aller vers des choses plus élevées. Mais nous, ce n'est pas du tout ça, ce que Hachem il nous demande. Parce que si tu dis à Hachem, voilà, je me suis élevé, j'ai appris la Torah, etc. Alors Hachem, il va te dire, qu'est-ce que tu as fait avec ça ? Ok, tu as appris la Torah et tout, maintenant qu'est-ce que tu as fait avec ça ? Qu'est-ce que tu as sorti de ce monde avec ça ? Qu'est-ce que tu as ramené vers moi avec ça ? C'est ça, tu dois amener des preuves de ce que tu as fait. Pourquoi la première question qu'on demande à quelqu'un quand il arrive dans le Beit Din chez le Mala, on ne lui demande pas s'il a étudié la Torah. C'est après qu'on lui demande s'il a étudié la Torah. On lui demande, est-ce que maintenant tu as fait des échanges dans la Emouna ? Est-ce que tu as fait du Masa Umatan, Nasata Venatata Be'emouna ? Est-ce que tu as fait des échanges dans ce monde avec la Emouna ? C'est-à-dire qu'il était capable d'échanger dans la Emouna. C'est-à-dire qu'il était capable de communiquer avec le corps, de communiquer avec la matière et de faire des échanges. C'est-à-dire de prendre des éléments, d'enrichir le monde, d'élever le monde. Mais si tu laisses le monde au même niveau qu'il est et toi tu t'élèves et tu dis tant pis pour le monde, alors on n'a rien fait. Même un mort, tous les 7 jours qu'on fait, tous les 7 jours qu'on s'endeuille sur un mort, c'est pour pas qu'il puisse partir. C'est pour ça qu'on s'endeuille sur un mort. Pourquoi on fait 7 jours de Havelout, 7 jours on doit s'asseoir, et c'est pour qu'on ne laisse pas le mort quitter ce monde complètement. On l'oblige qu'il doit rester ici aussi. Il va partir, mais il y a une partie de son âme qui doit rester ici. Il ne peut pas dire, ah, ça y est les copains, je m'en vais, shalom, on se retrouvera là-bas, et hasta la vista.
Non, non, c'est pas comme ça. Tu restes avec nous ici. Tu continues à travailler avec nous ici, on n'a pas fini. Quand on se lèvera à la résurrection des morts, on va se lever tous ensemble. Mais pour l'instant, tu restes avec nous, tu continues à travailler ici, avec nous. On ne laisse pas partir. Parce que c'est ça, chez nous, il n'y a pas de mort. Ça n'existe pas la mort. On appelle Chaim, on dit Chaim, c'est quoi? C'est au pluriel Chaim, c'est pas au singulier, c'est un mot pluriel. Parce qu'il y a plusieurs vies. Il y a une vie dans ce monde, il y a une vie dans la tombe, et il y a une vie après la tombe, il va y avoir une autre vie encore. Mais quand quelqu'un rentre dans sa tombe, pourquoi on s'assoit 7 jours? C'est pour le retenir ici, c'est pas pour qu'il s'en aille. Et justement, on lui dit, écoute, maintenant tu es mort et tout, là-bas c'est très intéressant, c'est très attirant, c'est merveilleux, etc. Mais n'oublie pas les copains, il faut que tu restes avec nous aussi ici. Il faut un petit peu que tu restes avec nous. Parce que si tous ceux qui partent, ils nous lâchent, où on va rester? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? On ne va rien faire du tout. On ne peut pas s'en sortir. Si tous les gens qui sont morts, ils s'en vont, et ils quittent, ils disent, allez, shalom, comme celui qui a quitté l'armée, il a terminé, allez, il s'en va. Non, ce n'est pas comme ça. Hachem, tout le système, il l'a lié. Tout est lié dans le système. Que le système de ce Olam et de l'Olam Abba, tout est lié. Il y a un lien entre chaque chose. Et on ne peut pas couper les liens. Tandis que les autres religions, c'est des religions que on dit, voilà, celui qui est religieux, c'est quelqu'un qui s'est séparé de ce monde. Mais ça ne vaut rien de se séparer de ce monde. C'est rien du tout. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. C'est la chose la plus facile à faire, de rentrer dans l'ascétisme, c'est la chose la plus facile. Parce qu'une fois que tu vas commencer à t'habituer à ne pas manger, après tu ne peux plus manger. Tout c'est comme ça dans ce monde. Si tu t'habitues un petit peu, même un fumeur, tu prends quelqu'un, il fume deux paquets de cigarettes par jour, il va s'habituer à ne pas fumer, au bout d'un moment, il ne peut même plus supporter l'odeur de la fumée. C'est pas compliqué. C'est de sevrer de ce monde, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de rentrer la tête dedans et de la sortir sans arrêt. Ça, c'est difficile. Ça, c'est très difficile, de rentrer la tête dans la matière, de la sortir, de rentrer, de la sortir sans arrêt, et d'enrichir, de prendre des choses à chaque fois. Ça, c'est très, très difficile. Et c'est ça le but d'un juif. Le but d'un juif, c'est ça, c'est qu'il va, il travaille, il gagne de l'argent, il donne une partie à Tzedaka, l'autre il vit avec, il achète du manger, quand il mange, il fait ses brachot, il fait attention à ça. Il a une femme, il a des enfants, il a des obligations. Et voilà, il jongle avec des dizaines de choses en même temps. Ça, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas de quitter. Même pour les tzadikim, mais c'est un autre niveau. Les tzadikim, ils font la même chose, mais un autre niveau. Nous, on n'est pas des tzadikim. On aimerait que les tzadikim, ils s'occupent de nous, c'est tout. Nous, on n'est pas des tzadikim. Les tzadikim, ils fonctionnent d'une autre façon. Les tzadikim, ils n'ont rien à travailler dans ce monde. Leur travail, c'est d'aider les autres, c'est tout. Les tzadikim, ils sont là pour réparer le monde. Ils essayent d'aider les gens qui sont... Les Neshamot Israël, c'est le corps du tzadik. Toutes les 600 000 âmes du âme Israël, ça s'appelle le gouffre du tzadik, c'est le corps du tzadik. Et le tzadik, il a l'obligation d'envoyer de la lumière dans les 600 000 âmes. Et si le tzadik il n'envoie pas la lumière dans les 600 000 âmes, alors il paye pour ça. Comme c'est écrit dans on a vu, va être aberbi, c'est écrit Hachem, va être aberbi, les manchem. À cause de vous, Hachem il m'a fait revenir en Hibour. C'est-à-dire, voilà, à cause de vous, il dit, mon cher Rabbeinu, je ne peux pas quitter ce monde, je dois revenir sans arrêt, jusqu'à que je finisse mon travail. Hachem il a dit, ah bon, tu n'as pas pu t'occuper d'eux comme il faut, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Pourquoi le tzadik ne rentre pas en Eretz Israël? C'est à cause du peuple qu'il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Parce que son corps, il ne peut pas le laisser dehors et rentrer lui en Eretz Israël. Les 600 000 âmes, c'est le corps de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il devait arriver à éclairer assez dans les 600 000 âmes pour qu'ils aient envie de rentrer en Eretz Israël. Pour pas qu'ils regrettent l'Égypte. Ils aient envie de rentrer en Eretz Israël, Béhémet. Maintenant, il n'a pas réussi. Hachem lui a dit, Red, descend. Descend, qui chichet amra, ton peuple il a fauté. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu, ton peuple il a fauté? Il dit, qu'est-ce que tu me dis mon peuple? Il dit, non, c'est ton peuple, c'est toi qui dois t'occuper d'eux. Et si tu n'arrives pas à les sortir, toi non plus tu ne sors pas. Si tu n'es pas arrivé à les faire rentrer en Eretz Israël, et bien toi aussi, je suis désolé, mais tu ne rentreras pas non plus. Parce qu'il est lié. C'est la même chose, quelqu'un il a un corps, quelqu'un il a une femme, quelqu'un il a des enfants. Il doit les faire sortir à eux aussi de là où ils sont. Quelqu'un ne peut pas dire, ah moi je les ai éduqués, je leur ai appris la Torah, et voilà, bon, ils sont libres, hein, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Non, c'est pas comme ça.
tu dois réussir ton travail. Tu ne peux pas dire, voilà, moi j'ai fait ce que j'ai pu et c'est tout. Maintenant, je m'occupe de ma vie, je ne veux pas rester... Ce n'est pas vrai, hein? Il n'y a pas quelque chose comme ça. Parce que maintenant, eux, c'est ça le diplôme. C'est ça le diplôme de ton étude, de ton travail. Le diplôme, c'est quand on voit qu'est-ce que tu as fait avec. C'est ça, c'est pas de dire, moi j'ai amené des enfants dans le monde et tant pis, ils n'ont pas accroché à la religieuse. Ils ne sont pas religieux, ils ne sont pas accrochés dans le religieux. Mais non, ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est que tu es obligé de faire qu'ils vont aimer la Torah. Mais Shinantam Levanecha, tu es obligé, c'est mitzvah d'Asse Midoraita. Il faut qu'ils aiment la Torah, tes enfants. Tu ne peux pas dire non. Et tu es capable de le faire. Seulement, c'est difficile. Tu dois dire, mon cher, il n'a pas dit à aller. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pour ça, il va dire, descends, maman, je suis en bas dans le... C'est-à-dire, t'as allé. Il lui a dit, Red. Ouais. Il va lui dire, t'as allé. Pourquoi il a dit, Red, quand il a dit, va voir le peuple, va, ouais. Descends, bien sûr. Va les chercher. Tu ne peux pas les laisser. Même nous, toute la galoute on est maintenant, c'est parce qu'on a laissé les 80% en Égypte, c'est pour ça qu'on est là. Nous, on est à Alvaï qu'on fasse partie de ceux qui sont restés en Égypte, c'est Madrid et Lyona. Mais disons, pour parler, pour que ça ne soit pas difficile, on est là pour ça. Les 80% qui sont restés en Égypte, on a fait une tentative, comme des fois quand l'armée elle est quelque part et tout, elle sort d'abord et après elle va chercher les gens qu'ils ont laissés là-bas. Ah, maintenant qu'on a pris un peu de force, alors on doit toutes ces néchamotes là, il faut qu'elles sortent, qu'elles viennent en Eretz Israël. Sinon, il n'y aura pas de Géoula tant qu'il n'y a pas toutes ces néchamotes là qui viennent. Donc, on peut pas, ni Bessacha, de ta viande, de ta chair, tu peux pas te cacher. Tout ce qui représente de la chair par rapport à toi, c'est-à-dire des gens qui sont plus éloignés que toi, tu peux pas te cacher d'eux. Tu dis, ah ben les pauvres, hein, mais ils ont qu'à faire comme moi, hein. Comment j'ai fait moi? Mais ah ben, comment t'as fait? Et chacun il a ses faiblesses, il a sa force. Chacun il doit aider l'autre dans ce qu'il a, là où il a avancé. Et c'est comme ça qu'il prouve que ça a été acquis. C'est que quand ça se transmet que ça t'appartient. Ça t'appartient quand tu le transmets. Comme la tzedaka, l'argent que tu donnes, c'est ça qui t'appartient. Quand on fait les comptes de quelqu'un, on lui dit combien il a d'argent, il faut qu'il compte combien il a donné à tzedaka. C'est ça son argent. C'est parce que ce qui est à lui, on peut lui enlever n'importe quand. C'est ce qu'il a dit à Yitzhak Avrabanel. Yitzhak Avrabanel, il était conseiller du roi en Espagne. Et il y avait quelqu'un qui a parlé du mal sur lui au roi et qui lui a dit, voilà, il est très riche, etc. Il vous cache des choses, il fait des choses par derrière, etc. Et le roi, il avait confiance dans Yitzhak Avrabanel, c'était un grand sadique. Et alors, il a convoqué... Il lui a dit, je veux que tu me fasses, s'il te plaît, je m'excuse de te demander ça, mais je voudrais que tu me fasses une liste de tous tes biens. Alors lui, il a amené une liste des biens, et là-bas, il manquait beaucoup de choses. Alors le roi, il n'a pas compris, il l'a mis en prison, et après, le roi, ça le travaillait. Alors il l'a fait sortir, il lui a dit, mais comment tu as osé faire ça? Tu sais très bien que je sais que tu as telle propriété, comment tu croyais que je n'allais pas m'en rendre compte? Alors Avitzrak Rabbanel lui a dit, vous m'avez demandé ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, c'est ce que j'ai donné à la tzedaka. Ça, vous ne pourrez jamais me l'enlever. Mais le reste, regardez, en un jour, j'étais en prison, j'ai tout perdu. Donc vous voyez que ce n'est pas ça qui m'appartient. Mais ce que j'ai donné, c'est entrer dans l'éternité. Alors dans tout, c'est comme ça. Ce qu'on est capable de donner, c'est ça ce qui nous appartient. Si on n'est pas capable de l'enseigner, ça veut dire qu'on n'a pas compris. Tant que quelqu'un ne peut pas transmettre, c'est que lui-même, il n'a pas compris. Il ne peut pas dire je sais, mais moi je ne connais pas, je n'ai pas l'art de l'enseignement. Il n'y a pas de l'art de l'enseignement. L'art de l'enseignement, c'est Torah Trab et Tochmeaï, c'est tout. C'est que ta Torah elle est dans mon ventre, c'est tout. C'est ça l'enseignement. L'enseignement, il n'y en a pas d'autre. L'enseignement, c'est quand la Torah elle est dans le ventre de quelqu'un, il peut l'enseigner, il n'y a pas de problème. Sinon, s'il n'arrive pas à la transmettre, c'est que lui-même, il doit avancer pour l'instant. Il n'est pas arrivé. Or, nous, toute notre vie, elle ne fonctionne que comme ça. C'est à l'envers de tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que nous, on marche que en vérifiant toute la chaîne en même temps. Une chaîne de fabrication, quelqu'un ne peut pas dire je me suis occupé de mon poste et j'ai bien fait mon travail. Ce n'est pas comme ça. Parce que s'il y a un dans la chaîne qui ne travaille pas bien, alors toi aussi tu vas t'arrêter. Donc tu as intérêt à aller l'aider
pour toi, tu as intérêt à aller l'aider, celui qui est avant ou après toi. Parce que si tu vas l'aider, la chaîne, elle va tourner normalement. Et si lui, il ne sait pas travailler, vous allez être embêtés tous. Tous les gens qui travaillent là-bas. Nous, on ne fonctionne que comme ça. Il n'y a pas des gens religieux, pas religieux, pas... Tout, c'est un problème. Les religieux, c'est un problème. Les pas religieux, c'est un problème. Tous, c'est des problèmes. Il faut arranger tous ces problèmes-là. En même temps, il faut les considérer tous. On ne peut pas considérer celui-là ou celui-là à part. Sinon, il n'y a pas d'union d'apartheid. Ça n'existe pas chez nous, ça. Les gens, ils veulent nous accuser de ça, mais chez nous, ça n'existe pas. Les non-juifs font partie de la chaîne. Pardon ? Les non-juifs font partie de la chaîne. Si nous, on répare notre chaîne à nous, ça les répare aussi. Ouais, c'est automatique. C'est quelque chose qui est entièrement dépendant. C'est entièrement dépendant. Ça n'a même pas besoin d'être fait consciemment. On n'a pas besoin d'aller les chercher eux pour les réparer, parce que sinon on se répare, ils sont réparés. C'est automatique. C'est automatique, parce que c'est quelque chose qui est lié. C'est comme la bria. Toute la bria, elle est liée. Tu n'as pas besoin d'aller être spécialement réparer le végétal ou le minéral ou l'animal. Du moment où tu t'élèves, tous les autres règnes, ils montent automatiquement. Nous, on s'occupe du peuple juif, c'est-à-dire on s'occupe des juifs entre nous. Tu t'occupes du noyau, et tu t'occupes de celui qui vient demander. Si quelqu'un vient demander, il faut s'occuper de lui. Si ton fils te demande pas, tu n'es pas obligé de... Enfin, si acheter un terme, mais... C'est pas... une obligation égale de qui, finalement? Des enfants, de ceux qui demandent, de sa femme, c'est quoi l'obligation? L'obligation, la première obligation que tu as, c'est d'enseigner à tes enfants. Ça, c'est la première obligation. Après, tu as des élèves. Si tu es capable, les élèves, ils vont venir. Tu vas avoir des élèves, tu vas leur enseigner. Et après, ces élèves, eux-mêmes, ils vont avoir des élèves. C'est comme ça que ça continue. La chaîne, elle continue comme ça. Mais toi, tu as une mitzvah tassée, midoraita, c'est que tu dois enseigner à Torah à tes enfants. Tu dois être un exemple pour tes enfants. Parce que n'attends pas que tes enfants ils vont être mieux que toi. Tes enfants, au maximum, ils vont être un peu moins bien que toi. Mais ne t'attends pas que tes enfants ils vont te dépasser tellement. Ça arrive, mais c'est pas dans la plupart des cas, ce n'est pas comme ça. Le père, il doit faire en sorte d'être un exemple pour ses enfants. Ça, c'est la première chose. Ça va chez Nantam. Après, il s'occupe du reste. Mais la première chose, c'est ça. Il n'y a pas plus important que ça pour un père. Zeprinat Chaya Venash le Besume Bipuria, Adeloyada Benaru Raman de Baruch Mordechai. Alors, c'est ce qui est écrit dans la Megillah qu'un homme il a l'obligation de se parfumer avec du vin, c'est-à-dire d'être un peu sous avec du vin. Adeloyada Benaru Raman de Baruch Mordechai, jusqu'à qu'il ne sache pas la différence qu'il y a entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Qui as dit Haper Hairida le Tachlita Aliya. Parce que maintenant, quand quelqu'un arrive dans le Da'at de Purim, alors toutes les iridotes se transforment en aliot. C'est-à-dire toute l'obscurité qu'il a pu voir dans sa vie, ça va être de la lumière. Les ochrim les prinat simchat olam, on les ochrim d'une joie éternelle. Shu prinat naase venishma, shu prinat asaga shelati de lavo. On les ochrim du naase venishma, que ce naase venishma, c'est la compréhension du futur. Shaziye kulo tshuva, que dans le futur, il y aura une tshuva permanente. La tshuva permanente, ça veut dire que en permanence, on va faire tshuva sur la compréhension d'Hachem. En permanence, ça va avancer comme ça. Vaziyu naasim avonot Israël Torah. Et à ce moment-là, des avérotes du Ham Israël, il va y avoir de la Torah. Comme Rabbeinu l'a dit une fois, il a dit vous n'avez pas fait assez d'avérotes pour que je puisse vous dire de la Torah. Parce qu'il y a de la Torah qui vient que des avérotes du Ham Israël. Comme on a vu que la faute du veau d'or, c'est ça qui a amené la tshuva. Pour le Rabbim, que la faute de David Ameler, c'est ça qui amène la tshuva pour le Yachid. Alors toutes les averot, les maasé, elles sont faites pour aller chercher de la Torah à l'intérieur de la matière. Comme quelqu'un qui mange, pourquoi quelqu'un il a besoin de manger? Parce qu'il a besoin de manger, parce que quelqu'un il a besoin d'apprendre la Torah, c'est pour ça qu'il a besoin de manger. Alors dans sa nourriture, il y a de la Torah. Maintenant lui d'extraire la Torah qu'il y a dans la nourriture. Alors maintenant quand quelqu'un il descend dans l'obscurité, et il passe des périodes d'obscurité. Cette période d'obscurité, elle est faite pour extraire de la Torah. Dans cette obscurité, il y a de la Torah. Maintenant, lui, il doit chercher la Torah qu'il y a dans l'obscurité. Et il doit, s'il n'arrive pas à trouver de façon consciente, il doit au moins avoir la émouna, de dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, je sais que dans cette obscurité dans laquelle je passe maintenant, c'est pour apprendre la Torah. Comme on dit, « Ashrei ish asher te'asrenu ka »
Heureux l'homme que tu le fais souffrir et tu lui enseignes la Torah. C'est-à-dire que maintenant, dans cette obscurité-là, il y a une Torah qui est très élevée. C'est pour ça que la Gemara dit qu'il y a trois choses qui s'acquièrent par la souffrance. C'est Eretz Israël, la Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Parce que c'est des choses qui sont tellement élevées qu'on ne peut pas les avoir en direct. On doit les avoir par l'inverse. C'est-à-dire qu'on doit passer par une obscurité, dans cette obscurité se renforcer et remonter, et à ce moment-là, on les fait sortir. Mais on ne peut pas nous enseigner dans la lumière. On ne peut pas nous enseigner la Torah dans la lumière. On ne peut pas enseigner la Torah dans le bien-être. Une personne qui est que dans le bien-être, elle ne va pas apprendre la Torah. Parce que pour apprendre la Torah, il faut descendre dans des vêtements, qui ce vêtement-là, ils enveloppent la Torah, et extraire la Torah de ces enveloppes. De la même manière que quand on mange, on ne peut pas se nourrir comme des anges, que les anges ils prennent du spirituel. On est obligé de passer par une spiritualité qui est enveloppée dans de la matière, et mettre ça dans notre corps, et à ce moment-là, faire un tri. Une partie va aller vers le corps, et une partie, elle va aller vers l'âme. C'est toujours pour utiliser ce monde, et pour justifier pourquoi Hachem nous a créés comme ça, avec deux entités, un corps et une âme. Si Hachem voulait qu'on soit des anges, il n'y a pas de raison de créer des corps. Quoi ça sert le corps? C'est un fardeau, c'est quelque chose qui, apparemment, il ne sert à rien. Apparemment, ce n'est pas qu'il ne sert à rien, il ralentit toute l'opération. Mais ce n'est pas vrai, le corps, il est là pour te permettre de t'enrichir en spiritualité. Si tu n'avais pas le corps, tu n'aurais rien à faire ici, tu ne pourrais rien faire dans ce monde. C'est le corps qui te permet d'être en contact avec la matière et de récupérer des éléments spirituels que jamais tu n'aurais pu récupérer. Jamais tu n'aurais pu les avoir. Les gens, ils se disent la même chose pour le mariage. Quelqu'un, il dit, voilà, je suis allé à Shiva, j'étudie 17 heures par jour. Maintenant, je vais me marier, c'est sûr que je vais étudier moins. Il faut que j'aille travailler, etc. Il va me rester 2 heures d'études. Mais je vois que je suis perdant, puisque maintenant, si je ne suis pas marié, j'étudie 17 heures. Et si je suis marié, j'étudie que 2 heures. Mais ce qui se passe, c'est que ces 2 heures-là, c'est plus que 170 heures. Ce n'est pas 17 heures. Comme quelqu'un, quand il étudie Shabbat, ou quand quelqu'un, il étudie en Eretz Israël. Il y avait un Breslever à Ouman, qui était un tzaddik, un des 39 tzaddikim, et des 36 tzaddikim. Le Rav Benam Nachman, il a dit sur lui que c'était un des lamedvav tzaddikim. Et lui, là, il demandait à quelqu'un de lui faire son visa pour Eretz Israël. Il a dit, si quelqu'un, il me fait mon visa, je deviens son serviteur 23 heures par jour, qui me laisse que 1 heure par jour, c'est tout. Et 23 heures, je suis son serviteur, je fais ce qu'il veut. S'il m'obtient le visa pour Israël. Parce que lui, il savait qu'une heure en Israël, c'est plus que 24 heures en Koutz Laaretz. Il y a des coefficients, chaque chose a des coefficients. Le Shabbat, ça a des coefficients. Eretz Israël, ça a des coefficients. Le mariage, ça a des coefficients. Les enfants, ça a des coefficients. Chaque chose, elle a un coefficient, ça change. C'est pas la même chose. L'endroit, il change. L'approche, elle change. Tout change de valeur. Tout n'est pas plat. Mais dans ce monde, on peut s'enrichir énormément. Si quelqu'un, il écoute le tzaddik, il suit les conseils du tzaddik, lui, il va t'indiquer qui sont les investissements qui rapportent le plus. Il va te donner les meilleures affaires à faire dans le monde. Il va te dire, voilà, regarde, investis-toi là-dedans. Tu vas gagner plus que n'importe qui a pu gagner dans ce monde. Ce qu'il a dit à Benou, moi, je vais faire de vous des tzaddikim, mais comme il n'y a jamais eu dans le monde. Pas des tzaddikim comme des tzaddikim qu'il y a eu. Comme des tzaddikim qu'on n'a jamais vu dans le monde, des tzaddikim comme ça. Parce que le Rebbe, il peut te donner des points d'investissement, des conseils, que dans ces choses-là, tu vas tirer le maximum de ce que tu peux tirer. De toi-même, de ton entourage, de tout ce qui passe par toi. Maintenant, pour faire ces choses merveilleuses, on a besoin de ces deux pôles-là. Le pôle de la Neshama et le pôle du corps. Et il faut travailler tout le temps avec eux, avec les deux. Il faut le considérer les deux. Les deux, ils ont leur importance et les deux, ils ont leur valeur. Et dans ce monde, le corps, il est plus important que l'âme. C'est-à-dire que si maintenant vous avez un choix à faire dans une situation entre le corps et l'âme, on va choisir le corps. Si par exemple quelqu'un il est malade Shabbat et il a besoin de le soigner, eh bien, on va laisser le Shabbat pour le soigner. On va transgresser le Shabbat pour le soigner. Parce que si maintenant il a un corps qui est en bonne santé, c'est plus important pour nous qu'un Shabbat. Même si un safek de safek de safek s'il va vivre, ça fait rien, on transgresse Shabbat quand même. Pourquoi? Parce que le corps, c'est lui qui fixe dans ce monde. Parce que si on n'a pas le corps, on n'a rien. Si quelqu'un n'a pas son corps, alors l'âme elle est repartie. Alors elle est repartie. Vous croyez que c'est une affaire qui est gagnée parce que l'âme elle est repartie. Avec quoi elle est repartie? Qu'est-ce qu'elle a pris?
Chaque seconde, quelqu'un vit ici, il ramasse des choses extraordinaires. S'il sait ce qu'il faut faire. S'il sait ce qu'il faut faire, il peut s'enrichir énormément. Hein? Plus il y a de... Plus il y a de l'obscurité, plus le coefficient d'un mitzvah aux études, plus important. C'est vrai que ce que les éléments qui sont en Chutz La'aretz, c'est des éléments qui sont déterminants, puisqu'on en a besoin pour qu'il y ait la Geoula. Mais maintenant, il y a deux approches, si tu veux, de la quand tu descends dans l'obscurité, il y a deux approches. Alors, d'abord, tu ne dois jamais descendre dans l'obscurité par ta propre initiative. C'est-à-dire que l'obscurité, c'est toujours quelque chose que tu subis. Ce n'est pas quelque chose que toi, tu dois aller chercher. Quelqu'un ne peut pas dire « je vais aller dans l'obscurité parce que là-bas, il y a des trésors ». Parce que celui-là, en général, il ne sort pas de l'obscurité. David, hein? David, il a dit « adieu, testement ». Oui, ça, il a dit, mais c'est un peu ironiquement qu'il lui a dit. Il y a Hachem, il lui a dit « voilà, j'ai fait ça pour que tu aies raison, c'est pour que toi, tu aies raison ». Mais c'est pas qu'il est rentré. Mais par exemple, Shlomo HaMelech, il a fait comme ça, mais il est tombé. Shlomo HaMelech, il a fait les Khatrila. Shlomo HaMelech, il a dit, moi, je vais me marier avec plusieurs femmes et tout. Et ces femmes-là, chacune, il a vu qu'elles avaient des éléments de Neshama très élevés. Et il est tombé. Parce que jamais on rentre dans l'obscurité les Khatrila. C'est toujours Bediavad. C'est toujours a posteriori. C'est jamais a priori. C'est-à-dire, quelqu'un, a priori, il ne doit pas aller habiter en Chutz La'aretz pour faire un travail sur des âmes qu'il doit ramener. Lui, maintenant, si, a posteriori, il a été muté... Bien sûr, il y a des gens qui sortent de la semaine. Il y a des gens qui que dans la semaine, ils vivent comme dans Shabbat. Ils ne rentrent pas dans le côté obscur de la semaine. Il y a des gens qui choisissent de vivre dans le côté lumineux qu'il y a dans la semaine. Chaque jour, il y a un rapport avec Shabbat. Chaque jour, tu dis Yom Rishon be Shabbat, Yom Sheni be Shabbat. Chaque jour, ils sont inclus dans Shabbat. Et chaque jour, tu as une obligation de te rappeler du Shabbat. Depuis Motsé Shabbat, tu dois te rappeler du Shabbat tous les jours. C'est-à-dire, tu vois, toi, tu dois vivre avec la conscience du Shabbat et dans le Chol, avec la conscience du Shabbat. Il ne faut pas oublier ça. Mais il ne faut jamais valoriser le Chol plus que le Shabbat. Il faut savoir que le Chol, il a une valeur parce qu'il est porteur d'éléments qui sont importants. Mais pour les extraire, c'est que le Shabbat qui peut te donner la force de les extraire. Sinon la personne ne sort pas. Elle ne peut pas arriver à les sortir, ces éléments-là. Jamais on va aller vers l'obscurité, les Khatrila. On l'a subi. Si on pouvait arriver à Yom Shekulo Shabbat, qu'on fait que Hachem, il décide, et voilà, je vous donne cette semaine, 7 jours de Shabbat, alors ça serait extraordinaire pour nous. On serait content de ne plus avoir à faire ça. Mais pour l'instant, on n'a pas fini. Il va arriver un jour où ça va être comme ça. Le but, c'est d'arriver à ça. C'est qu'on est tellement sorti des éléments qu'il y a dans le Chol, qu'il n'y a plus besoin de Chol. C'est Nian des Talmides Chachamim. Les Talmides Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tellement récupéré les éléments qu'il y avait dans la matière qu'ils n'ont plus besoin de passer par l'enveloppe de la matière. Ils travaillent sur le spirituel en direct. Ils ne passent plus par l'enveloppe. Ils n'ont plus besoin de l'enveloppe. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on passe par l'enveloppe. Il faut faire attention. Il ne faut pas après tomber dans l'autre côté. Parce qu'il y a des gens, ils disent, non, moi, je travaille, mais je travaille pour... Il faut donner la tzedaka. Je travaille pour pouvoir donner la tzedaka. Mais tu ne les vois pas qui donnent. C'est-à-dire, eux, travaillent pour la tzedaka, ça veut dire si un jour, ils gagnent 3 millions d'euros et qu'il n'a rien trouvé à faire, etc., il va donner 3 000 euros. Mais ce n'est pas ça, travailler pour donner la tzedaka. Si quelqu'un veut travailler pour la tzedaka, il fait un contrat. Il va chez un avocat, il fait un contrat, il dit voilà, je veux m'engager à donner tant pour cent de ce que je gagne. Je vais donner 10%, 20%, 50%, ce qu'il veut. Il y avait un Breslever, il a fait avec Rabbeinu comme ça un contrat, et il dit voilà, il est venu sur la tombe de Rabbeinu, il a dit moi je fais un contrat avec vous, on fait une affaire ensemble, moi je vais travailler et tout, et 50% de ce que je gagne, je vous donne. Il a fait ça, et il a eu, Baruch Hashem, une bracha extraordinaire. Il s'appelait, je crois, Rabbi Tzriqué Yitzhak Eisenstein. Il avait une usine de savon. Et il a nourri les familles de Ouman, 50 ou 60 familles pendant des années. Il les a nourris.
Mais ça, c'est un vrai contrat, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas quelqu'un qui dit « Alors moi, je travaille parce que je veux aider la communauté, c'est pour ça que je travaille. » Alors commence à aider la communauté avec ce que tu as aujourd'hui déjà. N'attends pas que tu vas... Il ne faut pas rentrer dans le... Il ne faut pas se tromper dans l'obscurité. C'est-à-dire que si quelqu'un il joue avec l'obscurité, il n'en sort pas de l'obscurité. Hein? C'est bon, ouais. On peut se tromper aussi, se dire « Je suis prêt à enlever l'enveloppe, travailler en direct avec les spiritualités. » Donné à tout le monde d'aller étudier 17 heures par jour. C'est pas donné à tout le monde, ça vient quand tu es apte à ça, t'en fais pas. Dans le ciel, on a besoin énormément de gens comme ça. Donc quand tu es apte à ça, Hachem lui-même, il va te prendre et te mettre au service de Shabbat constant. C'est même pas un choix que tu as besoin de faire de toi-même, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est pas quelque chose que tu as besoin de réfléchir sur ça. Si tu as besoin de réfléchir sur ça, alors c'est comme les gens, ils vont voir un rav, ils demandent « Est-ce que je dois monter en Israël ?» Alors le rav, il va pas lui dire... normalement, il ne doit pas lui donner de réponse. Parce que si maintenant la personne a une question sur ça, ça veut dire « Voilà, sa réponse, c'est la question. » C'est-à-dire le fait qu'il pose la question, c'est ça la réponse. Elle dit, le jour où tu vas être prêt, tu vas voir, ça va... Alors que quelqu'un vient, il dit, voilà, je fréquente une fille depuis 6 mois, des trucs, etc. Il dit, alors, eh ben voilà, eh ben, on se plaît, on s'aime bien et tout. Alors, ben, on a envie de faire notre vie ensemble et tout. Alors, eh ben, on veut se marier, alors on veut savoir si on doit se marier ou pas. Et quelle est la question? La question, c'est quoi? Voilà la question. Tu comprends? La question, elle est pas sur quoi maintenant. Tu peux demander une question sur une modalité d'une chose, mais tu ne peux pas demander une question sur l'essence de la chose. Parce que quand tu poses une question sur l'essence de la chose, ça veut dire que la chose elle-même, tu ne l'as pas vue encore. Des fois, on demande pour recevoir la bracha du rav ou pas juste pour qu'on ait le amen du rav et que ça va faciliter la chose. Non, ça s'appelle pas demander. Demander une bracha, c'est quand tu viens voir le rav, tu dis, écoutez, j'ai décidé de monter en Israël, Bezrat Hashem, et est-ce que vous pouvez me faire une bracha? C'est tout. Alors à ce moment-là, il va te dire Hatzlacha, Hatzlacha Rabba, etc. Mais tu ne peux pas aller lui demander sur ce choix-là. Parce que tant que tu ne vois pas, c'est que tu ne vois pas, c'est tout. Non, mais des fois, le gars, il a des valeurs tordues, et il ne sait pas qu'il faut faire des... Il ne sait pas que c'est important, il ne sait pas qu'il faut le faire, il ne sait pas que, par exemple, il fréquente la fille, et ça peut durer 10 ans, et il faut lui dire, allez, passe à l'acte, je ne sais pas. Ou pareil pour Israël, je ne sais pas, il sait qu'il faudrait, il ne sait pas, il a peut-être des valeurs. S'il ne sait pas que c'est important, ça veut dire pour l'instant, pour lui, ce n'est pas important. C'est ça le matzav. Parce que regarde, le problème c'est quoi? C'est que maintenant, disons que la personne, elle le fait quand même, d'accord? La personne, elle vient, demande, et quelqu'un il la booste, il la pousse pour venir. D'accord? Maintenant, toute l'obscurité qu'il fallait qu'il passe en Chutz La'aretz pour arriver à l'évidence d'ici, il va passer cette obscurité en Israël. Et l'obscurité en Israël, ce n'est pas la même que là-bas du tout. Oui, mais là-bas, il peut se perdre aussi. Il peut se perdre, mais s'il se perd, ça veut dire que c'est tout, il n'a pas trouvé. Mais tu ne peux pas provoquer l'évidence de la vérité chez quelqu'un. C'est écrit, la Torah, c'est pas une Yerusha. La Torah, tu peux pas la faire hériter. Ça s'hérite pas. Si quelqu'un, il a appris le chasse par cœur, il peut pas le faire hériter à son fils. Mais il peut lui donner le goût, il peut lui faire l'article, il peut lui présenter, il peut lui faire tout ce qu'il veut pour lui donner envie de le faire. Mais lui faire hériter la chose, tu peux pas. Mais c'est ça l'honneur de la personne. Mais sinon, on serait des robots. Tu comprends? L'honneur de l'individu, c'est que c'est qu'il y a des gens, ils se lèvent. Il y avait un Breslever, il s'appelait Rav Yaakov Filmer. Il habitait à Yafo. Et il voulait venir habiter à Yerushalayim. Alors il demandait toujours à Avraham ben Avnachman, il était à l'époque d'Avraham ben Avnachman. Avraham ben Avnachman, il le laissait. Il jamais lui disait, viens. Un matin, il commande une charrette. À l'époque, c'était des charrettes pour les déménagements. Et il commence à faire le déménagement. Alors sa femme, ses enfants, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on part à Yerushalayim. Ah, ils ont commencé à pleurer, mais non, on ne veut pas, etc. Il dit, écoutez,
Si maintenant on m'emmenait au cimetière, vous pouvez crier tant que vous voulez, ça ne change rien, on va m'amener quand même. Maintenant, j'ai décidé, on va habiter à Yerushalayim. Vous voulez venir, la maison est prête, venez. Vous voulez rester ici, je continuerai à payer le loyer de cette maison aussi. Mais maintenant, on part. Ils ont été voir des rabbanim, des trucs, tout fait tout, rien, ça n'a rien changé. Il est monté à Yerushalayim, eux ils ont fait la tête 3 mois, 6 mois, après sa famille elle est venue aussi, et s'est installée. Parce que quand quelqu'un il a vu, c'est terminé. Tu vois, celui qui est rentré au Beth Amikdash pour voler des kelim, les Romains ils l'ont envoyé, ils lui ont dit il va voler des kelim dans le Beth Amikdash. Il est rentré une fois, il a volé quelque chose, il l'a amené. Il a dit maintenant tu re-rentres pour prendre ça, il dit je ne rentre plus. Et on dit si tu ne rentres pas on va te tuer, il dit vous pouvez me tuer, je ne rentre plus. Parce que ça y est, à un moment, il a vu. Celui qui a vu, tu ne peux plus lui dire. C'est à ça qu'il faut arriver. Parce que si tu n'arrives pas à ça, tu vas rester dans le flou. Même ton choix, ce n'est pas un vrai choix. C'est un choix qui est flou. Et après, tu vas passer des épreuves d'obscurité qui sont très, très difficiles. Parce que de refaire la maternelle quand tu as 25 ans, c'est pas comme des... Regarde ce que c'est d'apprendre à lire quand tu as l'hébreu, quand tu as 25 ans, alors que tu vas voir Bezrat Hashem, ton fils, comment il lit par rapport à toi. Tu vois, c'est difficile, c'est pas évident. Il vaut mieux s'y mettre et être au moins au niveau. C'est difficile de supporter des situations comme ça. Tu peux faire tout ce que tu peux pour quelqu'un, l'aider, prier pour lui, l'intéresser, mais le choix, c'est lui qui doit le faire. C'est ça sa dignité. Il y a quand même des cas où le danger de la perte, par exemple, quelqu'un qui ne viendra jamais au mal, mais à un moment donné, on sait qu'on le tient avant qu'il retombe, d'accord ? Et bien, des fois, un petit coup de pied, une petite poussette, et le gars, il y va. Il ne sait pas, et après, peut-être il y a beaucoup de choses qui vont changer de ça. Alors, peut-être qu'il aurait pu tomber. Regarde, à Ouman, il y avait pendant, je ne sais pas, peut-être 30 ans ou 40 ans, il y avait des goïms qui habitaient sur le quai vert de Rabbeinu, d'accord ? Ils habitaient là-bas, mais il y avait, après quand on a commencé à aller à Ouman, il fallait rentrer dans la cour de leur maison, les Maasés. Alors ils appelaient le KGB tout le temps, au début c'était la guerre, et truc, après ils ont compris que c'était une source de dollars pour eux, donc ils ont commencé à en faire un commerce, tu leur donnais 2 dollars ou 3 dollars, et tu pouvais rentrer faire un tikkun haklali, et ils ont été très contents parce qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Maintenant, est-ce que tu crois que ces gens-là, ils peuvent arriver dans l'Olam Haba et demander, nous on a vécu toute notre vie sur le quai vert de Rabbi Nachman. Tu crois, est-ce que ces gens-là, ils peuvent valoriser ça? Ils ne peuvent pas le valoriser. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne peuvent pas le valoriser, ils ne savent, savent pas ce qu'ils avaient entre leurs mains. Ils ne savaient pas ce qui se passait là, à cet endroit-là. Si une personne n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de faire, tu ne peux pas lui faire tirer les bénéfices de la chose. Il faut qu'elle soit consciente de ce qu'elle est en train de faire. Maintenant, quand tu assommes quelqu'un... C'est une autre discussion. Il y a des cas où le gars, il peut dire, si Rabbeinu l'a dit, tu viens, c'est ton petit coup d'atelier, tu mets la pièce. S'il n'a pas dit, tu es conscient dans les... Mais ça y est, quand il va là-bas pour faire Tikkun HaKlali, même s'il ne fait pas Tikkun HaKlali, il y a eu l'exemple de celui ici qui est venu, qui a des bails Rabbi Nachman et tout, après il a reçu une balle à Tel Aviv, truc, il s'en est sorti. Mais il était conscient qu'il venait sur la tombe de Rabbi Nachman. Maintenant, si quelqu'un n'est pas conscient qu'il fait ça, alors ça n'a pas de valeur. Si quelqu'un, tu l'emmènes, tu lui dis on va faire un truc touristique en Ukraine et tu le fais passer par Ouman, et tu dis bon, avant on l'a fait passer par Ouman, si tu ne lui as pas parlé qu'ici à Rabbi Nachman, il n'est pas conscient de ça, il n'y a pas de lien entre ces choses-là. Maintenant, si une personne, elle n'est pas consciente de la valeur de la chose, tu peux essayer de lui faire prendre conscience de la valeur de la chose. Mais si tu l'assommes et tu lui fais faire la chose, tu l'as pas quitté d'avoir fait la chose. Parce que la personne, elle est... Hein? Les mitzvot simples, c'est... S'il répond Amen, ça y est, s'il répond Amen, c'est bon. C'est délicat de savoir si tu pousses. Si tu pousses ou si tu... Les affaires de mes cousins avec sont arrivés. L'autre qui est arrivé là parce qu'à Oman, il était... Ils sont partis à Kiev. Il s'est retrouvé là-bas, il ne sait même pas pourquoi. Ouais, mais il sait qu'il est à côté de la du quai vert de Rabbeinu, c'est pas Stam. Il sait qu'il est à côté de la tombe de Rabbi Nachman. Oui, alors c'est tout, ça suffit. Pour ça. En soi, il ramène, même si je suis pas conscient.
Que quoi ? Qui pour en soi. Qui pour en soi, c'est un jour qui pardonne, même si la personne n'est pas consciente. Ça c'est une autre chose. Le tzaddik en soi, c'est pareil. Le tzaddik en soi, il maintient le monde, si tu veux, dans son existence, parce que le tzaddik, il est garant sur le monde. Il maintient le monde dans son existence. Mais les gens, ils sont alimentés, ce qu'on appelle l'amadikisoufa, c'est le pain de la honte. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui te dit, bon, écoute, ne travaille pas, je vais te donner à manger tous les jours. Et je vais te payer tous les jours. Pourquoi la personne, elle veut aller travailler et gagner sa part à ça elle-même? Parce que la conscience que si elle ne passe pas par cette étape-là, elle ne va pas exister, Bichlal. Tu ne peux pas faire exister quelqu'un par une assistance permanente. Il y a une personne, il faut que tu la laisses vivre, exister dans ses choix. Il a fait, si tu veux, mais ce n'est pas... Non, à part Shabbat, toutes les mitzvot, tu peux les faire sans être conscient que tu fais la mitzvah. Et tu as fait la mitzvah. Ça s'appelle que tu as fait la mitzvah. Même si quelqu'un il met les tefilines, il n'est pas conscient de ce que c'est les tefilines. Il a mis les tefilines. Mais si tu veux, toi l'attitude par rapport à des choix qui sont des choix de haut niveau, comme Eretz Israël, comme la Torah, comme le Olam Haba, ces choix-là qui sont des choix, parce que là tu es en train de choisir les choses les plus élevées qu'il y a sur Terre. C'est-à-dire habiter en Eretz Israël, c'est le choix le plus grand qu'il y a dans la vie de quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de choix comme ça. Quelqu'un sait des choses pour lesquelles on fait un don de soi total pour monter en Eretz Israël. Ça, tu ne peux pas lui enlever à la personne le mérite de faire son choix. Et tu ne peux pas choisir pour lui. Même un enfant, on dit que pour le convertir, si un enfant, il est converti automatiquement. Disons, des parents, ils sont convertis, ils ont un petit enfant qui a 2 ans. Alors maintenant, il éduque comme un juif. Mais ils ont l'obligation, le jour de la bar mitzvah, de lui dire, regarde, toi, t'es pas juif. C'est maintenant, tu veux l'être ou pas, tu as le choix. C'est-à-dire, il peut refuser à la bar mitzvah d'être un juif et il a aucun problème. Il n'est pas juif. Et s'il veut accepter, il est juif, il a été éduqué. Mais à un moment, il faut que tu donnes à la personne le choix, si tu veux, c'est sa dignité. C'est comme ça qu'il va se construire. Si tu fais tout pour lui, alors il a fait quoi? Avant, un enfant qui est converti à la naissance, ou avant 3 ans? Non, avant la naissance, non. Non, avant 3 ans. Ouais. Il est converti avant 3 ans, alors il a la possibilité de ne plus être juif, de ne pas être juif. Ah, oui. Il est obligé d'officialiser la chose quand il fait la bar mitzvah. Et quand c'est après 3 ans? Non, c'est peu importe. Jusqu'à avant la bar mitzvah, à n'importe quel âge, il doit officialiser le choix à sa bar mitzvah. C'est à 2 ans, 4 ans, 8 ans, 9 ans, c'est pas important. Le jour de la bar mitzvah, il doit dire s'il veut ou pas. On lui laisse le choix. On est obligé de lui dire. On ne peut pas faire semblant qu'il n'y a rien. Parce qu'on n'a pas le droit de voler à quelqu'un sa conscience. C'est des choix qu'il faut laisser à la personne, la maturité pour les faire. Tu ne peux pas lui enlever ça. C'est un messiout nefesh, c'est un choix qui est très très puissant. Ce n'est pas des petites choses, des choses très importantes. Pas enlever à quelqu'un ça. Dire bon, allez, vas-y, tu ne peux pas. Laisse-le faire son choix. Laisse-le grandir à son niveau. Tu peux lui donner, comme on a vu Mishloach Manot, tu peux lui envoyer des livres tout le temps, des Eretz Israël, ou des cours, ou l'appeler, ou lui envoyer ce que tu veux. Tu peux garder un contact, essayer, mais tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire ce choix. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que la personne, il faut que tu la laisses faire d'elle-même, d'assumer, parce que c'est quelque chose de lourd. Ce n'est pas une petite chose. Le principe général de la Torah, c'est comme on a vu dans le Kutal Achat ce matin, Rabbi Nathan il dit que normalement on ne passe pas à l'action tant qu'on n'a pas eu envie de faire l'action. Parce qu'une action, sans qu'il y ait eu envie de la faire, elle a presque aucune valeur. Elle a une valeur éducative, c'est tout. Mais elle n'est pas une véritable valeur. C'est comme si tu joues au Monopoly, tu comprends? Tu apprends à manipuler de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent, tu n'as fait aucune transaction véritable. Quelqu'un qui fait les mitzvot, qui fait les actions, mais tu ne t'es pas occupé de lui donner envie, alors tu n'as rien fait du tout. C'est comme ça que le judaïsme s'est perdu.
parce que les gens, ils n'ont pas voulu perdre le temps avec les élèves. Ils ont dit, écoutez, on va vous passer directement à l'action. Quand tu prends un soldat, tu verras qu'un soldat, on ne va pas l'amener directement sur le champ avec une mitraillette, on va lui apprendre à tirer, etc. D'abord, on va le motiver sur le lien de défendre le pays. C'est les premières choses, les premiers cours que les gens y font. Que les gens ils vont prendre conscience qu'est-ce que c'est de défendre la nation, le pays, et quelle valeur il a quand il va défendre le pays, etc. Une fois qu'il ait fait tout ça, on attaque les entraînements. Tout. Mais les mitzvot, c'est pareil. D'abord, il faut que tu aies envie de faire la mitzvah. C'est la chose que tu dois chercher. C'est une mitzvah, dès pour l'instant, c'est une mitzvah éducative, c'est une mitzvah sociale, ce que tu veux. Mais ce n'est pas la vraie mitzvah. La vraie mitzvah, il fait que tu as envie de la faire. Mais c'est clair, si on le garde tout le temps et que nos envies sont toutes passées, pendant encore 20 ans, on ne va pas faire grand chose. Mais ça veut dire, ce n'est pas le lien que tu ne vas pas faire grand chose, c'est que tu dois savoir sur toi, tu dois t'axer dans ta vie. Vers quoi tu dois mettre ton énergie? Est-ce que tu vas mettre ton énergie à développer des applications ou tu vas mettre ton énergie à développer de l'envie? C'est là où tu dois faire tes choix. Tu dois faire un minimum d'applications pour être yotzé au niveau application. Et tu dois faire un maximum d'envie, de développement de l'envie. Ce minimum, pour un niveau, quelqu'un qui est pas le choix, ce minimum, il est énorme. Parce que c'est déjà, il commence à toucher le ça s'appelle le minimum. Ouais, le minimum, c'est déjà énorme. C'est énorme au début parce que c'est un changement total, mais après tu vas voir que c'est pas énorme du tout. Le Shabbat au début c'est énorme, une fois que tu vas commencer à le faire, ça va devenir agréable. C'est pas... Mais il faut que tu ailles vers le ratson, le vouloir. C'est ça qui est important. C'est que tu fasses de l'étude et que tu cherches à vouloir vivre ce que tu vis. C'est pas le côté application qu'il faut développer. Alors ils ont fait une grande erreur dans la Torah quand les gens qui étaient les enseignants, les dirigeants de communauté, ils sont investis que dans le développement applicatif. Après les gens, ils ne savent même plus pourquoi ils faisaient ça. Après ils ont fait à moitié, après ils ont fait le quart, après ils n'ont plus fait rien du tout. Parce que maintenant le vouloir, ils ne l'ont pas développé. Mais un éducateur, c'est quelqu'un qui apprend aux gens à vouloir faire la chose. Pourquoi des pachoutes pour développer l'envie? Même si, parce que malheureusement, si on a un niveau qu'on ne connaît pas bien, comment on fait pour développer l'envie? Parce qu'on a mis de côté même des choses qui donnent envie d'avoir envie. Mais... L'envie, dans le mot envie, il y a le mot vie. D'accord? Envie, ça veut dire que la chose, elle est en vie. D'accord? Elle vit en toi. Il faut établir des liens. Rabbeinu nous dit, c'est Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est l'alliance. C'est de créer des liens entre l'individu et la chose, de le concerner par rapport à la chose, de lui montrer comment la mitzvah fait partie de sa vie. C'est pas quelque chose qui est extérieur comme le code de la route, que quelqu'un voit tel panneau, il doit s'arrêter. Il faut que la mitzvah, ça soit sa vie. Il faut que tu crées des liens entre lui et la mitzvah. Mais pour nous-mêmes seuls. Pour nous-mêmes, nous-mêmes, tu dois étudier des choses qui te font, qui te créent un lien, qui vont te conscientiser, te concerner par la mitzvah. Tu vas te sentir concerné par la mitzvah. Quand tu vas te sentir concerné, c'est ça qui va te donner envie de la faire. Mais si tu fais des mitzvot, parce que tu crois que c'est des lois qu'Hachem il a catapulté sur l'homme, parce que comme ça, le Ham Israël, les pauvres, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ils ont été élus, comme on dit, ils ont été élus, ça leur est tombé sur la tête qu'ils doivent faire la Torah. Ainsi que c'est comme ça que tu conçois la Torah, mais il n'y aura rien. C'est-à-dire ça ne va faire que baisser, c'est tout. Avec l'âge, les choses elles vont baisser, elles vont disparaître. Tandis que si maintenant tu prends conscience que Hachem, quand il t'a fait Matan Torah, il t'a fait un chesed, il t'a fait un raccourci énorme, au lieu que tu mettes des milliers d'années à découvrir ce que tu es venu faire sur Terre, il t'a donné la formule, il t'a dit voilà ce que tu es venu faire sur Terre. Maintenant au début, tu n'es pas conscient de la valeur de la chose. Maintenant tu dois commencer à établir des liens, te sentir concerné, ça s'appelle Tikkun Abrit, le Tikkun de l'Alliance. C'est-à-dire créer des liens entre la mitzvah et l'individu. C'est ça qui s'appelle Tikkun Abrit. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le Tikkun HaKlali, c'est Tikkun Abrit. Le Tikkun HaKlali, il répare tout. Pourquoi il répare tout? Parce qu'il répare les liens avec la Torah. Du moment où la personne elle se sent liée, ça y est, du moment où tu te sens lié à Eretz Israël, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, monte, monte, monte. Il faut que la personne, à un moment, elle va sentir un tel lien avec Eretz Israël, elle dit, mais je ne peux pas rester ici, ça y est. Peu plus. Hein?
Ben, ça dépend qui est-ce qui dit monte. Il y a des gens qui sont intéressés pour tout le monde, pour que tu amènes des enfants à l'armée, d'autres ils sont intéressés. Ça, c'est chacun y vend sa marchandise. Mais ce qui va te faire monter en Eretz Israël, c'est le kécher avec Eretz Israël. C'est ça qui va te faire monter. Plus le lien il va être fort, et plus à un moment tu vas t'engager. Maintenant, les mitzvot, il faut développer le lien. Il faut apprendre aux enfants le lien avec les mitzvot. Il faut leur montrer combien ils sont concernés par les mitzvot. Maintenant, si tu as des sfarim, par exemple, il y a un sefer, il s'appelle Sefer Hayashar. Dans ce sefer-là, ou Sefer HaTodah, dans ces sfarim, il te raconte toute l'histoire de quand tu vas faire une mitzvah. Par exemple, tu vas faire Sukkot, tu vas faire Rosh Hashanah, tu vas faire Hanouka. Il te raconte tout comment c'est venu cette chose-là. C'est-à-dire essayer de rendre la personne, de la mettre dans le contexte, tu vois, de la mettre qu'elle soit concernée par la chose. À ce moment-là, quand après la personne, elle va manger sa matzah, la chanoukia, elle se sent concernée par ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas en train de faire une application qui lui est extérieure. C'est ça qui développe le ratson. Okay? Ce qu'il faut apprendre, c'est ça, d'abord. Avant de commencer à l'application, tu prends le kitsur shulchan aruch, et c'est tout, ça suffit largement. Tu fais le kitsur shulchan aruch, ça te suffit largement, tu n'as pas besoin de plus que ça, au niveau application. Maintenant, au point de vue, te sentir concerné, alors là, tu dois rentrer dans des textes et chercher en profondeur, jusqu'à que tu te sentes appartenir à cette chose-là. Tu sens que c'est ça ta vie, que tu ne peux pas vivre sans ça. À ce moment-là, ça y est. Il y a des gens qui sont... Ils ont fait ici à Tel Aviv, là, il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y avait une conférence comme ça. Il y avait quelques milliers, je ne sais pas, 2000 personnes de francophones, c'est-à-dire des gens qui sont venus parler, qui sont montés en RS, etc. Alors, il y a une jeune fille qui est venue parler comme ça, et qui sortait des grandes écoles en France, des plus grandes écoles de commerce. Et elle a fait ça à l'IA, elle dit voilà, je viens de monter en Israël, parce que on peut pas vivre en dehors. Elle pouvait plus concevoir de vivre en dehors d'Eretz Israël. C'est fini, c'est quelque chose. Pourtant, elle a un avenir qui est tracé par des offres d'emploi, par les administrations et tout. Mais ça ne lui rentre pas dans sa tête, Bichlal, ça n'existe pas. Et là-bas, il y avait le directeur, je crois, des banques d'Israël, la banque Fischer, un américain, là, Stanley Fischer. Alors lui, il était là-bas. Lui, maintenant, quand il parle l'hébreu, c'est pour lui, c'est des souris. Mais c'est pas bien parler l'hébreu, c'est un américain. Mais lui, tu peux pas lui dire de pas être en Eretz Israël. Il y a un lien qui s'est fait. Ça y est, le gars, il est là. C'est sa vie, elle est là. Il n'y a pas d'autre. Tant qu'il n'y a pas ça, tu ne peux pas les pousser quelqu'un. Il n'y a pas de l'élan ne se fait pas. Alors maintenant, commence à tresser les liens, commence à faire des liens. Fais des liens, sans toi concerné par la valeur de la chose. Et à un moment, tu vas avoir une parole, cette parole-là, elle va créer le pont pour pouvoir avoir accès à la chose. Maintenant, toute action qui est faite avant d'avoir eu ce ratson, ce vouloir, c'est considéré comme une action éducative pour l'instant. Mais jusqu'à quand quelqu'un va rester dans l'éducatif? Il y a un moment qu'il faut qu'il passe à la chose réelle. C'est bien la fréquentation, mais à un moment il faut que tu t'engages. Mais il y a une erreur, c'est très grave dans la Torah, c'est-à-dire dans les gens qui ont enseigné la Torah, c'est qu'à un moment ils sont restés que sur le côté application. Ils ont poussé les gens à l'application. Ils ont poussé à l'application. Les gens, ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Avram, c'est des générations antérieures, donc c'est des générations qui sont censées être plus sur le centre de l'État. Parce que les gens qui ont fait aussi sur l'Israël, surtout qu'ils étaient dirigés par des grandes générations. Mais ça veut rien dire. Les gens les plus grands, ils ont fait les plus grandes erreurs. Les gens les plus grands qu'il y avait dans la Torah, c'est eux qui ont fait les plus grandes erreurs qu'il y a eu dans le monde. Mais prends Elisha ben Abouya, prends Azaï ben Zoma, c'est des gens qui sont rentrés dans le Pardès, dans l'Olam Haemet. C'est des gens qui sont rentrés dans l'Olam Haemet, c'est des gens qui connaissaient le moindre secret de la Torah, le moindre lettre de la Torah, c'est des gens qui connaissaient toute la Torah. Et c'est eux qui ont le plus dérivé de tout. Les grandes générations, de faire les grandes erreurs. Bien sûr. Mais...
Mais pourquoi tu mets tout en question? Non, tu veux dire pas bon. Il y a des exemples de la Gemara ou la Mishnah, c'est quoi les textes de ça? Lui, on ne peut pas dire celui-là ou celui-là, c'est impossible. Mais regarde maintenant le judaïsme dans des pays, ce qu'il est devenu. Tu n'as pas besoin de parler de ceux qui... Regarde ce qui est sorti du judaïsme. Tu prends une entreprise, oui, tu la remets à un gérant. Tu viens 10 ans après, tu trouves qu'ils sont en train de planter des carottes dans l'atelier. Tu me prends, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, ça, vous ne saviez pas, mais ça fait longtemps que c'est fini. Comment ça fait longtemps que c'est fini? Je t'ai donné des neshamot. Qu'est-ce que tu as fait avec? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut faire sortir quelque chose. Tu as un établissement scolaire. Il faut que tu aies résultat. Regarde en Israël. Aujourd'hui, ils n'ont pas eu des réussites aux Jeux Olympiques. Ça y est, ils ont ouvert une commission d'enquête. Pourquoi ils n'ont pas réussi aux Jeux Olympiques? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'amuses, on te donne les détails de finances. Et aux Jeux Olympiques, il n'y a aucun résultat, personne. Il y a un problème. Alors on va enquêter, on va voir où est le problème. La formation n'est pas bien, les trucs... Mais c'est ça qu'il fallait faire. Tu ne peux pas laisser un pays que 90% des gens ils partent à la dérive que du judaïsme et dire les gens ils sont très grands, très grands, très grands. Dans quoi ils sont très grands? Dans quoi? Le résultat, regarde ce que ça a été. Ah bon, c'est pas eux les responsables, mais c'est qui est-ce qui est responsable? Mais les responsables, c'est ceux qui sont soi-disant eux, pas en galoute. C'est eux qui sont responsables. C'est eux qui vivent en dehors de la galoute, qui se prétendent être les gens en dehors de la galoute. C'est eux les responsables. Comme je te dis tout à l'heure, Hachem, il veut parler avec Moshe Rabbeinu. Il ne vient pas parler avec les gens. Il ne vient pas dire aux gens pourquoi vous n'avez pas réussi. Il vient voir Moshe Rabbeinu, il vient voir le chef d'établissement, et il vient dire pourquoi tes élèves ne réussissent pas au bac. Qu'est-ce qu'il y a dans ton établissement? Tu ne peux pas dire j'ai eu des mauvais élèves. Tu ne peux pas amener quelque chose comme ça. Si maintenant tu as une baisse dans les réussites, ça veut dire que tu as un problème dans ton système, c'est tout. Pourquoi ça peut être... Pourquoi? Il y a des tzadikim, ils sont des grands tzadikim. Donc comment tu dis qu'il vient en République et l'horaire? Donc c'est responsable. Bien sûr, c'est pour ça que les tzadikim, c'est eux qui prennent toutes les souffrances du monde. Parce que c'est eux qui sont responsables du monde. Ah, mais dis toujours, c'est le Rav qui a un problème et pas les lèvres. Non. Il y a aussi une autre chose. C'est pas forcément les gens qu'on pense que c'est des tzadikim qui sont forcément les lèvres. Ça c'est encore autre chose, mais il y a des gens qui disent, il y a des gens qui dirigent, c'est tout. Il y a des gens qui dirigent, les gens qui dirigent les systèmes éducatifs dans la Torah, eux-mêmes ils doivent apprendre comment on fait ça. Tu viens ici, rentre dans des écoles ici, va voir qu'est-ce que c'est un melamed de Gemara. Tu t'assois, tu vas voir, tu vas entendre comment quelqu'un il enseigne la Gemara à un enfant de 8 ans, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est la Gemara. Si tu n'as jamais entendu dans ta vie, tu t'assois à côté de lui, en 2 minutes tu te mets à pleurer. Tu vas voir quelqu'un qui maîtrise sa matière, tu comprends? C'est-à-dire qui se sent la responsabilité de faire aimer à l'enfant ça. C'est ça la priorité pour lui. Regarde, aujourd'hui, mon petit-fils est de 3 ans, il a fait sa Messibat Roumash, il commence à étudier le Roumash. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est qu'il commence à étudier le Roumash? Mais c'est plus qu'un mariage, ce qu'ils ont fait. C'est peut-être quelque chose qui a duré 6 heures, avec des dizaines de rabbanim, une organisation, de la musique, un repas, des trucs, et des cadeaux, et des nialimitres. Mais l'enfant, c'est pour lui, c'est la plus grande chose qu'il a vue dans sa vie. Pourtant, sauf c'est quoi? Il va commencer à prendre le Khumash. Mais si tu veux lui montrer que c'est Khashoggi, il faut que tu lui fasses vivre ça avec l'importance qui lui revient au maximum. Mais si tu lui fais passer que ça, ah aujourd'hui c'est... Ah bon, tu as commencé, eh bien c'est bien, hein? C'est bien. Mais non, il faut que tu lui fasses un truc qui va lui résonner, si tu veux, à l'intérieur. Que maintenant, quand il va s'approcher du Khumash, il s'approche de la chose la plus grande qu'il ait jamais vue dans sa vie. Et il va commencer à étudier avec une importance, etc. C'est ça l'éducation. C'est pas aller, quoi, tu sais pas, tu n'as pas mis le livre, allez, prends une claque. Non, c'est pas avec ça qu'on avance. Avec ça qu'on avance. C'est pas avec ça qu'on va donner envie aux gens de faire la Torah. Alors, cette méthode-là, elle est arrivée, heureusement, Baruch HaShem, elle est arrivée à sa fin. On est obligé de passer à autre chose.
Et Rabbi Nathan, il te dit, Beferouche, on l'a vu ce matin dans l'écouter à la route, il te dit que tu dois t'investir dans le vouloir. C'est là où tu dois t'investir le plus. Maintenant, l'action, tu fais l'action qui est à ton niveau aujourd'hui, soit dans ton niveau de choses que tu as compris et que tu veux et tu te sens concerné, soit si tu ne te sens pas concerné. Alors ça s'appelle que tu es dans une. Pour l'instant, tu es dans une étape, une phase éducative de la Torah. Et tant que maintenant tu ne veux pas, sache que tu t'appelles un enfant dans la Torah. C'est-à-dire que tu fais les choses par obligation et parce que tu as compris qu'il faut le faire, mais c'est tout. Mais tu ne te sens pas concerné, tu n'as pas envie de le faire. Le but, c'est d'arriver à ça. Si on n'est pas arrivé à ça, on n'a pas réussi notre cours, comme on dit. C'est-à-dire on n'a pas réussi l'enseignement. Chez Azie Kulo Tshuva, c'est-à-dire qu'on va arriver les Atid, que ça sera Kulo Tshuva. C'est-à-dire dans le futur, on va faire Tshuva sans arrêt. Qu'est-ce que c'est Tshuva sans arrêt? Ça veut dire que tout le temps, on va avoir regretté d'avoir minimisé la grandeur d'Hachem. Et on va faire Tshuva sur ça. Et ça même, ça va nous faire comprendre autre chose. Tout de suite, on va comprendre Hachem plus grand. Et chaque fois qu'on va voir Hachem plus grand, on va regretter de l'avoir vu si petit. Alors ça va nous faire le voir plus grand encore. À chaque fois, il va voir. C'est ça la tshuva permanente. Tshuva permanente, ça veut dire qu'à chaque fois, tu as honte d'avoir cru que c'était ça, Kadosh Baruch Hu. Alors ça te donne une compréhension qui est plus élevée. Et quand tu arrives à cette compréhension plus élevée, encore tu vas regretter de l'avoir minimisé. C'est ça la tshuva permanente qui aura les Atid. Alors maintenant, même les Averot du Ham Israël, ce sera considéré comme de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il verra que les Maasé, les Averot qu'il a faites, c'était pour descendre dans de l'obscurité, pour récupérer de là-bas de la Torah. Seulement, il n'est pas arrivé à finaliser son projet. Il est descendu, il est resté là-bas. Il n'est pas arrivé à sortir. C'est ça qu'il a fait faire la Avera. C'est-à-dire qu'il est descendu, et à un moment, il s'est fait attraper par l'obscurité. Il est resté là-bas, il a déformé le but de sa venue dans l'obscurité. Mais après, dans les Atid, on va lui montrer que toute l'obscurité par laquelle il est passé, c'était que pour faire sortir de la Torah. Donc toutes les avérotes qu'il a faites, elles vont devenir de la Torah. Ça va être de la Torah, ça veut dire qu'il y aura un enseignement qui va sortir de chaque chose. Chaque erreur qui a été faite, ce ne sera qu'une erreur de parcours, pas une erreur profonde. Vezet prinat adeloyada ben aru raman shu prinat kol avonot. Maintenant, jusqu'à qu'il ne sache plus qu'est-ce que c'est que maudit soit Aman, qui sont toutes les Averot qui viennent du poison du serpent. Prinat Arur Ata, comme c'est écrit, maudit sois-tu, il a dit Hachem au serpent. Les Varuch Mordechai, il ne voit plus la différence avec béni soit Mordechai. Higam Avonot Naasim Keskuyot, parce que même les Avonot, elles vont être comme des mérites. Naasim Ehem Torah, à l'aider à Tshuva. Et grâce à la tshuva, les averot vont devenir de la Torah. Prinat bayom ahu yevukash avon Israël ve'enenu. Comme c'est écrit ce jour-là, on va chercher les averot du Ham Israël. On va plus les trouver parce qu'elles seront devenues de la Torah. Ça veut dire que le Ham Israël, il est conçu dans un tel bien. C'est-à-dire, il est tellement bien. Un juif, il est tellement bien, tellement bon, que c'est impossible qu'il ait fait une avera, les masses. C'est pas chayar pour un juif, une avera. Alors, ça veut dire que... C'est-à-dire qu'à partir du moment où le gars reçoit l'âme juive, ça veut dire que déjà, on considère que même quand on pourrait penser qu'il veut descendre parce qu'il est intéressé par de la matière, en vérité, sa kavana, sa volonté première, c'était de faire quelque chose de bien. Ouais. Et ça, c'est le propre de l'âme qui descend quand quelqu'un est juif ou quand quelqu'un devient juif. Ouais. Du moment où il a reçu, une âme juive, alors le Maasé, il n'a plus tellement le choix. Parce que tout ce qu'il fait, c'est bien. Il n'y a plus rien qui n'est pas bien. Même s'il fait des choses horribles. Il n'y a pas des choses horribles, ça n'existe pas pour lui. Il n'y a rien d'horrible, C'est horrible, c'est que c'est des choses qui sont extérieures. Il ne fait rien de... Qui pourrait être choquant. Si tu dis, Yaakov, il s'est marié avec Léa. Yaakov, il voulait se marier avec Léa, il ne voulait pas, d'accord? Lui, il voulait Rachel. Maintenant, Yaakov, il devait se marier avec Léa. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait qu'il tombe chez Lavan. Et qu'il sache que Lavan, c'est un roublard de première. Et qu'il va l'embobiner. Et il va lui donner Léa, au lieu de donner Rachel. Et il va recevoir ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire.
Et Yaakov, il n'a pas fait ce qu'il a voulu, il a fait ce qu'il devait faire. Mais ce n'est pas lui qui a choisi. On a choisi pour lui parce qu'il ne pouvait pas choisir. Là où il était, il ne pouvait pas choisir. Mais lui, par rapport à lui, c'était une avéra. C'est comme quelqu'un qui fait une avéra. Pourquoi il a fait une avéra? Parce qu'il doit aller apprendre la Torah là-bas. Maintenant, lui, il n'a pas le niveau d'apprendre la Torah. Lui, il voit Rachel au lieu de voir Léa. Il n'est pas au niveau de voir la valeur de Léa. C'est-à-dire qu'il passe par l'obscurité. Il va choisir dans l'obscurité. Mais les Maasé, c'est ça qu'il devait choisir. Mais il n'était pas au niveau qu'on lui présente ça comme quelque chose de valable. Comme des gens ils te disent, voilà, j'ai tout perdu dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis monté en Israël, j'ai plus rien. C'est-à-dire que le gars, il a touché le fond de la marmite, il n'y a plus rien, il n'a plus d'espoir. Comme black is black, il n'y a plus d'espoir, alors il vient en Israël. Mais pourquoi? Parce que c'est pas comme ça, il ne va jamais venir. Parce qu'il n'est pas capable de voir la beauté d'Eretz Israël. Donc on va l'amener par là, et après il va se passer ce qui va... Et même si ça ne se passe pas, ce n'est pas grave. Bon, mais si on n'a pas une foi totale en la Torah, on se dit, bon, c'est bien pour une secte, pour être logique. Que nous, on est les meilleurs, que tout ce qu'on fait, c'est pour faire du bien, même si on veut faire du mal, en fait, c'était du bien qu'on voulait faire. C'est un discours qui est dur à digérer pour quelqu'un qui n'a pas une émouna totale en la Torah. Même sans émouna, comment dire que les khatrila, quelqu'un qui fait les khatrila du mal, c'est bien, les khatrila. S'il le subit le mal, les diabades à la rigueur, il n'y a pas de les khatrila. Si chez un juif, il n'y a pas de les khatrila dans le mal. Parce qu'il ne fait pas partie de ça. De quoi tu parles, les khatrila? C'est comme si tu dis quelqu'un il fait. Hachem, il dit que si maintenant un juif, il veut faire une avéra, alors ça ne lui est pas considéré comme une avéra. Quelqu'un, il veut faire le mal. Ben, c'est pas lui considéré, ça ne lui est pas considéré comme s'il avait fait le mal. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'un juif, il veuille faire quelque chose de mal. Il dit, mais voilà, il voulait. C'est pas vrai, il ne voulait pas. Parce qu'il ne peut pas vouloir ça. Mais pourquoi on change les choses? On ne change pas, au contraire. Au contraire. C'est un langage humain. Mais au contraire. Il dit, voilà, je veux faire la Vera, ouais. Keneged Hachem. Et il fait, c'est pas bien. C'est pas que c'est pas c'est bien. C'est pas grave, c'est qu'on ne porte pas un jugement. Il y a quelque chose. C'est pas lui, c'est pas lui. De mieux que ça. C'est pas lui. C'est pas lui. Ça, c'est pas lui. C'est pas lui qui est en train de faire. C'est pas sa nature à lui. C'est pas lui, c'est tout. Quelqu'un veut nager dans la mer. Maintenant, c'est pas son endroit. Il peut apprendre à nager, il peut nager et tout. Après, il va retourner sur la rive. C'est pas son endroit. C'est pas un poisson, c'est un ben adam. Un juif, il sait pas ce que c'est le mal. Donc un juif, il subit le mal. Tout le temps, il le subit. Jamais c'est quelqu'un qui a l'initiative du mal, parce qu'il sait pas ce que ça veut dire. Sa nature, c'est d'ignorer complètement le mal. Il ne sait pas. Et si tu pouvais scanner quelqu'un quand il fait quelque chose de mal, tu verrais que le Maasé, il n'a rien fait de mal. Parce qu'il n'a pas de rapport avec ça. C'est pas qu'on est responsable de rien. Ce qu'on est responsable, c'est, si tu veux, d'avoir cru qu'on a fait quelque chose de mal. C'est ça la responsabilité. C'est sur ça que tu vas donner ton jugement. Ça veut dire que maintenant, tu t'es pris pour quelqu'un comme le fils du roi. Pourquoi il est jugé? Parce qu'à un moment, il a oublié qu'il était un fils d'un roi. C'est sur ça qu'il va être jugé. C'est-à-dire qu'à un moment, il a laissé sa véritable identité. C'est sur ça qu'il va être jugé. Mais ce n'est pas sur l'action elle-même qu'il a fait de mal, parce que l'action qu'il a faite de mal, c'est une action d'emprunt à l'endroit où il se trouvait. Mais c'est pas, lui, il n'est pas comme ça. Lui, ce n'est pas sa nature de faire ça. Change-le, mets-le ailleurs, dans un autre contexte. Tu vas voir que la personne, elle va vivre différemment, complètement. Il ne va pas continuer à faire les bêtises qu'il faisait. Ces bêtises, elles sont venues de la galoute, du fait qu'il a eu des mauvaises influences, etc. Mais il n'a pas un rapport de Etsem, d'essence avec le mal. Pas de réponse, de rapport d'essentiel avec le mal. C'est ça qui détruit, c'est quand il y a un rapport essentiel. C'est pas un élément Kafsrout, c'est comme ça que c'est Bémet, c'est pas Kafsrout. Il n'y a rien d'autre que le Kafsrout. Il n'y a rien d'autre. Pourquoi Rabbeinu te dit, réfléchis sur le... Voilà, tiens, un rachat. Maintenant, tu le cherches,
Il est plus là. Et pourquoi il est plus là? C'est un rachat. Rabbeinu Olaï te dit c'est un rachat. Qu'est-ce qu'il a fait? Une avéra. Maintenant réfléchis sur lui. Tu viens le chercher et tu vois qu'il a déménagé. Il n'habite plus là-bas où il était. Pourquoi il n'habite plus? Parce que ce n'est pas sa place. Il était toujours locataire. Il était toujours. Il squattait un endroit, mais ce n'est pas sa résidence. Lui, il n'habite pas là-dedans. Lui, il n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est sa vérité. Maintenant, là où tu donnes din rejbon, c'est quand tu ne crois pas dans ça. C'est quand tu mets zalzel, tu laisses aller ta... C'est comme si Yaakov Avinu, maintenant, il était... Le fait que maintenant, il s'est marié avec Léa, il a dénié ça. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait, etc., de faire cette bêtise, etc. Non, il a accepté que Béhémeth, que Léa, c'est son zivoug. C'est ça qu'il a accepté. Il a accepté que Léa, c'est son zivoug. Mais c'est pas ça qui l'a empêché de se marier avec Rachel, avec celle qu'il voulait. Mais maintenant, le côté de Léa, il l'a accepté entièrement. Bon, et sur les mains, on veut bien croire qu'en soi, on est bon parce qu'on est juif. Et sur les actions, il y a des maassines qui sont raïm. Le type, il est bon, c'est son essence. Mais sur ces actions-là... Mais l'action, elle n'a pas de... L'action, elle a... Mais l'action, elle n'a pas de vouloir. Si l'action n'a pas de vouloir derrière, elle ne vaut rien. Rabbeinu, il a dit, quand tu viens chez moi, Ouman, tu verras que le goût de l'Averot, tu vas le perdre. Vas-y, amuse-toi à faire des Averot. Le goût, tu ne l'auras plus. Je te l'enlève, c'est fini. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Tiens, t'as enlevé le goût. Tu comprends? Toi, tu aimes la musique. On te dit, tu aimes la musique. Ouais. Alors je vais te faire écouter de la musique. Attends que je finisse. Attends une seconde. Quelqu'un, il aime la musique, d'accord? Maintenant, on lui dit, tu aimes la musique, pas de problème. Tu vas écouter maintenant, on va t'obliger à écouter 12 heures par jour de la musique classique. Il dit, mais c'est pas ça que j'aime. Moi, j'aime le rock. Il dit, non, c'est ça maintenant. Mais lui, c'est le gainam maintenant, la musique pour lui. Tu lui fais écouter quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Maintenant, Rabbeinu, c'est la même chose. Rabbeinu, ce qui t'enlève, c'est le goût du mal. Mais même ce goût du mal, ce n'est pas ta nature. C'est uniquement la fréquence. Tu t'es habitué jusqu'à ce que tu as cru que comme quelqu'un il fume, il croit que c'est bien pour lui de fumer. Parce que tellement il s'est habitué à fumer, il croit que c'est bien. Mais maintenant, si tu arrives à lui enlever à un moment le goût de la cigarette, ça y est, il va s'en débarrasser, parce que jamais Hachem, il a créé un homme avec un besoin de cigarette. Ce n'est pas un besoin qui fait partie de l'homme. La même chose, un juif, il n'a pas été créé avec un besoin de mal, de faire le mal. Et il n'a jamais l'intention de faire du mal, et il ne veut jamais faire le mal. Donc n'importe quoi qu'il fasse de mal, ce n'est pas voulu. Donc ça n'a pas de valeur, tu comprends? Donc tu ne peux pas le valoriser, parce qu'il ne voulait pas le faire. Donc du moment où il ne voulait pas le faire, il n'a rien fait. Tu comprends? Non, mais il ne voulait pas le faire à un moment donné, il l'a laissé rentrer. Il a laissé le pouvoir de laisser la faute. On va dire, alors, il ne voulait pas le faire, ça veut dire que la faute, le Maasera, c'est Ratson Hachem, c'est Hachem qui a voulu qu'il passe par là. C'est une façon de le diriger vers de la Torah qui est cachée et qui doit récupérer là-bas. Et maintenant, il ne peut pas la récupérer. Donc, lui, il peut puiser de la Simra de cette action? Non. Mais une fois qu'il sait ça, il ne peut pas tirer de la Simra. Il ne peut pas tirer de la simra parce que le vêtement, il n'est pas propre. Il ne peut pas tirer de la simra de ça. Mais il tirera, il viendra un moment, il tirera de la simra de ça. Pour l'instant, non. Pour l'instant, il doit regretter qu'on l'ait fait passer par ça. Pour l'instant, il doit regretter ça. Qu'on l'a fait travailler par le côté obscur. Personne ne va accepter la yérida. Personne n'est khatrila, il veut travailler dans l'obscurité. Tout le monde veut travailler dans la lumière et dans la joie et dans le bien-être. Maintenant, le fait que Hachem, il te fait passer par l'obscurité pour obtenir quelque chose, c'est pas quelque chose qu'il ne faut pas être fier de ça. Mais sache en tout cas que le résultat, c'est que le bien. Quand on donne Léa à Yaakov Avinu, c'est pas que le bien, c'est la perfection. C'est pas que lui, c'est... Alors que lui, il voulait Rachel, et s'il avait eu Rachel, ben le monde, il serait détruit. Ça, c'est Yaakov Avinu. Yaakov, c'était l'individu le plus parfait qui est au monde. C'est-à-dire, c'est grâce à lui qu'il y a eu Avraham et Yitzhak, c'est grâce à Yaakov. Yaakov, c'était le niveau de Yaakov, tu ne peux pas t'imaginer. C'est écrit dans la Torah
que quand il a rencontré Yosef, ça faisait 22 ans qu'il n'avait pas vu, oui, comme Rabbeinu, comme Rabbi Nathan, qu'il était mitraïva à Rabbeinu à l'âge de 22 ans. Ça faisait 22 ans que Yaakov ne voyait pas Yosef. C'est écrit que Yosef il a embrassé Yaakov, et Yaakov, il a lu le Kriyat Shema. Pourquoi il a lu le Kriyat Shema? La Gemara elle dit, qu'est-ce que c'était? Alors il y en a qui essayent de dire, non, c'était juste le moment du net, il ne voulait pas rater. Il n'a pas vu son fils pendant 22 ans, le fils qu'il aimait le plus, le fils qui était son élève, pendant 22 ans. Maintenant son fils il embrasse, lui il fait Kriyat Shema. Tu sais qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Qu'à un moment qu'il a senti un plaisir comme ça, il a mis dans le schéma. Il ne voulait pas le faire sortir et le prendre. Il a dit, ce plaisir-là que je revois mon fils après 22 ans, Hachem, je te le donne, je ne veux pas le prendre. Je ne prends pas, je te le donne. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, je ne le prends pas. Je ne prends pas du tout ça. Je n'embrasse pas mon fils, je ne kiffe pas, je ne pleure pas, rien. Je te le donne. Et Yaakov Avinu, c'est un niveau, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Et lui-même, il se trompe, il veut Rachel. Il voit Rachel, elle est belle, etc. Il veut Rachel. Chaque plaisir, on va prendre maintenant, ça va être super. Chaque plaisir, chaque kiff, chaque truc qui nous vient, tac, on l'utilise pour transcender le truc. C'est de la matière. C'est le but. C'est de la consommation. C'est le but, mais il ne faut pas se tromper, mon ami. Non, mais quoi? Zatachem. Zatachem.